The Sermon Jehovah Jireh, Part 2, by Brother William Marion Branham, was delivered on Friday evening, April 3, 1964, at the 4-H Club Barn in Louisville, Mississippi, USA. Ce sermon intitulé Jehovah Jireh, deuxième partie, a été prêché par frère William Marion Branham le vendredi soir 3 avril 1964 dans la grange du club 4H à Louisville, Mississippi, USA. Let's remain standing just a moment while we bow our heads. Restons debout un instant pendant que nous inclinons la tête. Heavenly Father, we are grateful tonight for the opportunity that we have to come again to the house of worship, where we have present ourselves and our problems to you, that you promised to meet us here under the shed blood. Père Céleste, nous sommes reconnaissants ce soir de cette occasion que nous avons de revenir dans la maison d'adoration, où nous te présentons notre être et nos problèmes, car tu as promis de nous rencontrer ici, sous le sang versé. The only provided place that God has ever had that a sinner or anyone could meet God was under the shed blood. Amen. Le seul lieu que Dieu ait jamais donné où le pécheur et où toute personne puisse rencontrer Dieu, c'est sous le sang versé. So we come in the name of the Lord Jesus, knowing that you promised if we asked anything in that name, it should be given. Amen. We believe you, Father. Help our unbelief. Nous venons donc au nom du Seigneur Jésus, sachant que tu as promis que si nous demandions quelque chose en ce nom-là, cela nous serait donné. Nous te croyons, Père. Viens au secours de notre incrédulité. We pray that our gathering together tonight will be to the glory of God, that God might be honored and His name be recognized among the people. For we ask it in Jesus' name, the Son of God. Amen. Amen. Be seated. Thank you, Jesus. Nous prions que notre rassemblement ce soir soit à la gloire de Dieu, afin que Dieu soit honoré et que son nom soit reconnu parmi les gens. Car nous le demandons au nom de Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Deem this a privilege to be here again tonight and see this nice group of people gathered out here. I believe you said it was a stock exhibit. Je considère que c'est un privilège d'être de nouveau ici ce soir et de voir ce beau groupe de gens réunis ici. On m'a dit, je crois, que c'était un lieu d'exposition d'animaux d'élevage. I've held meetings pretty near all kinds of places around the world. I remember out in California, I've had 2 or 3 meetings there at the Cow Palace, they call them. J'ai fait des réunions dans pratiquement toutes les sortes d'endroits, partout dans le monde. Je me souviens qu'en Californie, j'ai fait là-bas 2 ou 3 réunions dans un endroit qu'ils appellent le Cow Palace. And from different sizes, a little room that holds 5 or 6 people up to, well, the largest gathering we ever had at one time was Bombay, 500,000 in one gathering. Et de différentes dimensions, d'une petite pièce contenant 5 ou 6 personnes jusqu'à, eh bien, le plus grand rassemblement que nous ayons jamais eu en une fois, c'est celui de Bombay. 500 000 personnes dans un rassemblement. But Bombay, a great thing, our Lord saved many people. If we could just have got the churches to have a cooperation, they could take those Hindus and so forth. Mais à Bombay, une chose glorieuse, notre Seigneur a sauvé un grand nombre de personnes. Si seulement nous avions pu amener les églises à collaborer, elles auraient pu accueillir ces hindous et tout. That was really what we call unbelievers, anything that doesn't believe in the Lord Jesus Christ. We call that an unbeliever. And there was literally thousands that accepted Christ, but you could just couldn't get to them.
Et ces gens étaient réellement ce que nous, on appelle des incroyants. Tout ce qui ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ, c'est ce que nous, on appelle un incroyant. Et là, il y en a eu littéralement des milliers qui ont accepté Christ, mais on ne pouvait vraiment pas établir le contact avec eux. Then in Durban, South Africa, we registered there the people 30,000 on one altar call one afternoon. Et puis, à Durban, en Afrique du Sud, nous avons dénombré là-bas 30 000 personnes un après-midi lors d'un seul appel à l'autel. For the next day, the mayor, Sidney Smith of Durban, with about 7 or 8 of those great British vans, was just piled full of old crutches and things that the people had walked on for hundreds of miles. Alors, le lendemain, le maire Sidney Smith de Durban, avec à peu près 7 ou 8 énormes camions britanniques, remplis de vieilles béquilles et de choses qui étaient empilées là, dont les gens s'étaient servis pour parcourir des centaines de kilomètres à pied. They brought them for weeks down through the jungles on carriers. It's piled all full of that. The mayor called me and said, go to your window that faces the Indian Ocean out there at the hotel, so you'll see something you've never seen before. Ou des brancards sur lesquels on avait transporté les gens pendant des semaines pour traverser la jungle. Ils étaient remplis de toutes ces choses empilées là. Le maire m'a appelé, il a dit, « Allez à la fenêtre qui donne sur l'océan Indien, là-bas, à l'hôtel. » Il a dit, « Et vous verrez quelque chose que vous n'avez encore jamais vu. » Those big vans just piled up with what we would call crutches and carriers and so forth to carry their loved ones out of the jungle. And the people that was on them the day before was walking behind the van singing Only Believe in their native language. It was certainly a thrilling sight to see that. Et il y avait là ces gros camions dans lesquels on avait empilé ce qu'on appelle chez nous des béquilles et des brancards, et toutes les choses dont les gens s'étaient servis pour venir de la jungle en transportant leurs bien-aimés. Et les personnes qui, le jour précédent, avaient été portées par ces choses, marchaient derrière le camion en chantant « Crois seulement » dans leur langue maternelle. C'était réellement impressionnant à voir. And in there was doctors. Many of them examined the cases to be sure that they was right. We don't want to publish nothing or print nothing unless it can be proven. The truth must be proven. Et il y avait là-bas des médecins. Beaucoup d'entre eux ont examiné ces cas pour s'assurer que c'était bien exact. Nous ne voulons pas publier ni imprimer quoi que ce soit sans qu'on puisse prouver que c'est la vérité. Il faut que ce soit prouvé. Just got a letter from a while ago. It just comes in. It's a special. A famous doctor in Indiana. He's Catholic by faith, and his son is a priest in the Saint Minor Monastery, Jasper, Indiana. Je viens de recevoir une lettre d'un tout à l'heure. On vient de me la remettre. C'est un cas spécial d'un médecin réputé de l'Indiana. Il est de foi catholique, et son fils est prêtre au monastère Saint Meinrad à Jasper, dans l'Indiana. This is Dr. E.C. Ackerman, and I happened to meet him on a hunting trip once, and he'd been hunting for 11 years for an elk. He failed to get one, and that night we sat till almost 2 o'clock talking about the Lord. Il s'agit du Dr. C. Ackerman. J'ai fait sa connaissance un jour lors d'une partie de chasse. Ça faisait 11 ans qu'il chassait le wapiti. Il n'avait pas encore réussi à en attraper un. Et ce soir-là, nous avons parlé du Seigneur jusqu'à presque 2 heures du matin. I heard this doctor was up there at the camp, so when I got up there, I was expecting to see somebody arrogant and indifferent, but I met a mighty fine, sweet type of a man. On m'avait dit que ce médecin était là-bas, au camp. Alors, en arrivant, je m'attendais à voir quelqu'un qui était arrogant et indifférent, mais j'ai rencontré là un homme très bien, un chic type. He walked out and said, Are you Brother Branham? And I said, Yes, sir, I am. And he shook my hand. He said, I'm Dr. Ackerman. I said, I'm certainly glad to know you. Il s'est approché. Il a dit, Êtes-vous Frère Branham? J'ai dit, Oui, monsieur, c'est moi. Il m'a serré la main. Il a dit, Je suis le Dr. Ackerman. J'ai dit, Eh bien, enchanté de faire votre connaissance. We got to talking about
God and about how that if he ever was God, he has to remain God or he never was God. See, a historical God's no good today if he isn't the same to the people that he was then. Nous nous sommes mis à parler de Dieu et du fait que s'il a déjà été Dieu, il doit toujours rester Dieu, sinon il n'a jamais été Dieu. Voyez, un Dieu historique est inutile aujourd'hui s'il n'est pas, à l'égard des gens, le même aujourd'hui qu'il était autrefois. So, about 3 o'clock, the guide woke us up, and I was guiding also, so we were going to take a trip, or take our man out to different places where we guide. Alors, vers 3 heures, le guide nous a réveillés, et nous étions, moi aussi, je servais de guide. Alors, nous allions partir en excursion, emmener nos hommes à différents endroits où nous allions leur servir de guide. On the road down, Dr. Ackerman was lauded to me. On the road down, he stopped a little bit before daylight, put his hand on my shoulder. He said, Brother Branham, I said, yes, sir, doctor. Et en nous rendant là-bas, le Dr. Ackerman a été confié à ma garde. Et en nous rendant là-bas, il s'est arrêté. C'était un peu avant le lever du jour. Il m'a mis la main sur l'épaule, il a dit, « Frère Branham ?» J'ai dit, « Oui, monsieur, le docteur. » He said, « I'm thoroughly convinced of Jesus Christ. » He said, « I got a boy, you know, a priest here at the monastery. » And I said, « Yes, sir. » He said, « I'm Catholic by faith. I guess that's the church. » He said, « I believe if he ever was God, he's God of all people. » Il a dit, « Je suis tout à fait convaincu en ce qui concerne Jésus-Christ. » Il a dit, « J'ai un garçon, vous savez, qui est prêtre là, au monastère. » Et j'ai dit, « Oui, monsieur. » Il a dit, « Je suis de foi catholique, je pense, pour ce qui est de l'Église. » Il a dit, « Eh bien, je crois que si, s'il a déjà été Dieu, il est le Dieu de tous. » That's exactly right. He created all man. And by one blood, he made all nations. He said, yes, sir, I believe that. J'ai dit, « C'est tout à fait exact. Il a créé tous les hommes. » Et il a fait d'un seul sang toutes les nations. Il a dit, « Oui, monsieur, je crois cela. » Il a dit, « J'ai lu vos livres. » Il a dit, « Je vous dis ceci en confidence. » Je crois que si vous demandez à Dieu de me donner un wapiti aujourd'hui, je l'aurai. Il a dit, ça fait 11 ans que je chasse le wapiti. Je suis déjà resté bloqué dans des tempêtes de neige. J'ai dit, je vais demander au Seigneur de vous en donner un, docteur. C'est tout ce que je peux faire. When I asked him, prayed for him, I said, doctor, at exactly 9 o'clock this morning, the Lord gives you a 5-point bull elk. And he said, I believe it. That's all he, if you believe it. Et alors, je le lui ai demandé, j'ai prié pour lui. J'ai dit, docteur, ce matin, à 9 heures pile, le Seigneur vous donne un wapiti mâle de 10 corps. Et il a dit, je le crois. C'est tout ce qu'il y a à faire, si tu le crois. So, a friend and I climbed up on the hill and watched the watch at 9 o'clock, the gun fired. He had the 5-point bull elk. We went and helped him bring it in. Alors, un ami et moi sommes montés sur la colline et nous regardions notre montre. À 9 heures, le coup de feu a retenti. Il a abattu le wapiti mâle de 10 corps. Nous sommes allés l'aider à le ramener. He brings his patients to be prayed for. I just got a special just now. He's got a cancer case. A woman dying with cancer. He'd like to fly in here. But I'm going home day after tomorrow, so I told him just wait till we got there. We prayed for the woman when we got there. Il amène ses patients pour qu'on prie pour eux. Il vient justement de me présenter un cas spécial. C'est un cas de cancer, une dame qui se meurt du cancer, qu'il aimerait emmener ici en avion. Mais je rentre après-demain, le jour d'après, après-demain. Alors je lui dis d'attendre que nous soyons rentrés, que nous prierons pour cette femme une fois rentrée. So, see, many, if a case can be presented to the person sensibly, divine healing has been made so much talk about and so much fanaticism hooked into it like there isn't everything else.
any kind of a religion or anything, you get fanatics. Donc, voyez, de nombreuses personnes, si on peut leur présenter la chose d'une manière sensée. On a raconté tant de choses au sujet de la guérison divine. Il y a tant de fanatisme dans ce domaine, comme dans tout le reste. Dans n'importe quelle religion, dans n'importe quoi, il y a des fanatiques. Even in the Mohammedans, you find there's in the Hindus, you find somebody there, old hypocrite, clowning for some tourists, laying on nails and so forth, glass. But back in the interior is a man who really believes in that. He's doing that for sacrifice. Même parmi les Mahométans, on trouve cela, et parmi les Hindous. On trouve là quelqu'un, une espèce d'hypocrite, qui fait le bouffon pour quelques touristes, qui se couche sur des clous et tout ça, sur du verre. Mais dans l'arrière-pays, là, il y a un homme qui croit réellement à cela. Il le fait en guise de sacrifice. And we find that in everything. We find fanaticism, even a fanatic eater eats too much, or anything. Et nous trouvons cela en toutes choses. Nous trouvons du fanatisme. Il y a même le mangeur fanatique qui mange trop ou n'importe quoi. But if the case is really presented in the scripture, then there's nothing can. I find more believing doctors than I do believing ministers. I do. I really do more believe. Mais si la chose qu'on présente est réellement dans l'écriture, alors rien ne peut. Je rencontre plus de médecins croyants que de ministres croyants. Oui. Oui, effectivement, ils sont plus nombreux à croire. I've been interviewed at Mayo's, if you all know it, it's been paper wide and everything, fine clinics of doctors everywhere. There's nothing, they believe it. J'ai été interviewé à la clinique Mayo. Si vous êtes au courant, il y a eu diffusion dans les journaux et tout. Et de bonnes cliniques, de médecins partout. Il n'y a rien. Eux, ils y croient. I've had doctors to come tell me, like the interview there said, we don't claim to be healers. We claim to assist nature. There's only one healer, that's God. J'ai vu des médecins me dire, pendant cet entretien-là, par exemple, ils m'ont dit, nous ne prétendons pas être des guérisseurs. Nous prétendons aider la nature. Il n'y a qu'un seul guérisseur, c'est Dieu. How many Reader's Digest of that little Donnie Martin, they signed to it, was healed. The miracle of Donnie Martin, Reader's Digest. So that I had been on interview on that. That little boy had been given up by Mayo's, Hopkins, and all of them. And the Lord Jesus healed him well. Combien ont lu le Reader's Digest, l'histoire du petit Donnie Morton, dont ils ont déclaré, signature à l'appui, qu'il a été guéri. Dans le Reader's Digest, le miracle de Donnie Morton. Et donc, c'est à la suite de cela qu'ils m'ont fait venir pour un entretien. Ce petit garçon avait été condamné par les cliniques Mayo, Hopkins et toutes les autres. Et le Seigneur Jésus l'a guéri, l'a rétabli. And Florence Nightingale, late Florence Nightingale's great-granddaughter, London, England, which is flown from Durban, South Africa. Et Florence Nightingale, l'arrière-petite-fille de feu Florence Nightingale de Londres, en Angleterre. Elle a été transportée en avion depuis Durban, en Afrique du Sud. And the thing has been misrepresented, just like the like many times in the Christianity is misrepresented to people. Christianity has been represented to people as a declaration of creed. Christianity is a living being. Jesus Christ, the resurrected God, that's alive and among us now. On a présenté une image inexacte de la chose, tout comme le, comme c'est souvent le cas de, on présente aux gens une image inexacte du christianisme. On leur a présenté le christianisme comme une déclaration de credo. Le christianisme est un être vivant, Jésus-Christ, le Dieu ressuscité, qui est vivant et parmi nous maintenant. Christianity is a person, not a creed. To know him is life. Amen. Not even know his word. That isn't life. Know him. And he is the word. Le christianisme est une personne et non un credo. Le connaître lui, c'est la vie. Il ne s'agit pas même de connaître sa parole. Ce n'est pas ça qui est la vie. Le connaître lui, et il est la parole.
fellow said to me not long ago, he said, I was just discussing about the what we thought about a certain scripture in the Bible. This fellow was quite a scholar. He said, well, you just don't know your Bible. I said, I know the author real well. So that's the main thing. If I know him, he'll take care of the rest of it. To know him is life. Un homme m'a dit, il n'y a pas longtemps, il a dit, j'étais en train de discuter de notre opinion sur un certain passage de la Bible. Cet homme était un véritable érudit. Il a dit, eh bien, vous ne connaissez vraiment pas votre Bible. J'ai dit, je connais très bien l'auteur. Donc, c'est là l'essentiel. Pourvu que je le connaisse, lui, il s'occupera du reste. Le connaître, lui, c'est la vie. And, now tomorrow morning, in the building here, there, my public relation man, Dr. Lee Vail, is here. If his questions in your mind, come, he'll answer, do anything he can to help you. Et bon, demain matin, dans le bâtiment ici, il y aura l'homme qui se charge pour moi des relations publiques, le docteur Lee Vail, qui est ici. S'il y a des questions dans votre esprit, venez, il y répondra. Il fera tout ce qu'il peut pour vous aider. Dr. Vail is here, I believe he's somewhere in the back of the building now. Very fine scholar and a very well-trained man for the job. Le docteur Vail est ici. Je crois qu'il est quelque part au fond du bâtiment en ce moment. Un excellent érudit et un homme très qualifié pour ce travail. So, if anybody's got a question or anything, instead of just trying to ask it now in a public meeting like this, why, see Dr. Vail. He'd be glad to talk over anything that you'd like to talk over with him. And then he has a service here in the morning. We'd be glad to meet the people here. Alors, si quelqu'un a une question ou quelque chose, au lieu d'essayer de la poser maintenant dans une réunion publique comme ceci, eh bien, voyez le docteur Vail. Il se fera un plaisir de discuter de tout ce que vous aimeriez discuter avec lui. Et il aura un service ici demain matin. Alors, nous serons heureux de rencontrer les gens ici. And then, Sunday morning, will be Sunday school throughout the city, and we do not try to take the Sunday morning or Sunday afternoon in the auditorium here because it's not right. You see, the church is your duty is at your church, and when the church is having services, that should be your place. Et là, dimanche matin, c'est l'école du dimanche partout dans la ville. Et nous ne cherchons pas à utiliser la salle ici le dimanche matin ou le dimanche après-midi, parce que ce n'est pas bien ça. Vous voyez, les églises, votre devoir, c'est d'être à votre église. Et quand il y a réunion à votre église, c'est là que vous devez être. And we don't want anyone to come out when you got your own post of duty to attend. Your church is having revival, and we have to get into the city where you're having revival. We don't mean to do that, not at all. Alors, nous ne voulons pas qu'aucun de vous ne vienne quand c'est le moment d'être présent à votre poste. Si votre église fait des réunions de réveil et qu'au même moment nous venons dans la ville où vous faites ces réunions de réveil, nous ne faisons pas ça volontairement, pas du tout. We are here in Christian fellowship. Talents for goodwill towards all people, all churches. We do not. I don't belong to any organization at all. I don't belong to any organization. I'm just a Christian. Nous sommes ici dans un esprit de communion fraternelle chrétienne, de tolérance, avec des dispositions bienveillantes à l'égard de toutes les personnes de toutes les églises. Je ne fais partie d'aucune organisation, aucune. Je ne fais partie d'aucune organisation. Je ne suis qu'un chrétien. And what influence I have, I just try to use it to honor Christ and to bring sinners to repentance. And it's all that I know to do. Hoping that day and trusting that he'll say, it was well done. And that's the words that I want to say, hearing say. Amen. Et l'influence que je possède, je cherche vraiment à l'employer pour honorer Christ. Et pour amener des pécheurs à la repentance. C'est tout ce que je peux faire. Et ce jour-là, j'espère et j'ai confiance qu'il dira « Bien fait ». Voilà les mots que je veux dire
l'entendre dire. I've often wondered, I'd like to hear him when he stood and stretched his arms that day and said, come unto me all you labor and heavy laden. That was past, but well done, my good and faithful servant will be in the future, and I'm living to hear that said. J'y ai souvent songé. J'aurais aimé l'entendre le jour où il s'est tenu là, a tendu les bras et a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Or cela, c'est arrivé dans le passé. Par contre, « C'est bien, mon bon et fidèle serviteur, cela arrivera dans l'avenir. » Et je ne vis que pour entendre ces mots. And now, then Sunday afternoon, we're going to pray for the sick. Sometimes people refer to that as healing services. Now, it isn't a healing service, it's prayer for the sick. See, we pray for the sick, and usually that's when the things take place, is when we pray for the sick. Bon, donc, dimanche après-midi, nous allons prier pour les malades. Parfois, les gens appellent cela des réunions de guérison. Or, ce n'est pas une réunion de guérison, c'est prier pour les malades. Voyez, nous prions pour les malades. Et, en général, c'est là que les choses se produisent, lorsque nous prions pour les malades. I want every minister, throughout the country, around anywhere that believes, to come, be sure to come Sunday afternoon, stand with us while we're praying for the sick. Je tiens à ce que tous les ministres de partout dans la région, de n'importe quel endroit, tous ceux qui croient, qu'ils viennent, qu'ils ne manquent pas de venir dimanche après-midi se tenir ici auprès de nous, pendant que nous prierons pour les malades. Regardless of what your denomination is or whatever it is, we don't care about that. If surely you have feeling for your people and for the people, that's God's people and people who want to be healed. Quelle que soit votre dénomination ou quoi que ce soit, nous n'accordons pas d'importance à cela. Sûrement que vous avez de la sympathie pour vos fidèles et pour les gens qui sont le peuple de Dieu et les gens qui désirent être guéris. Remember when you're sick, your first duty is to see your doctor and see what he says. And then if he diagnoses a case of something that he cannot, science has not been able to reveal to him any help for you, then you have a right to come to God. He is the great physician. Souvenez-vous, quand vous êtes malade, votre premier devoir est de consulter votre médecin et de voir ce qu'il dira. Ensuite, si le diagnostic qu'il établit, c'est quelque chose devant quoi il est impuissant, la science n'a pu lui révéler aucun secours pour vous, alors vous avez le droit de venir à Dieu. Il est le grand médecin. Pray and have a prayer pray over you. They do it, should do it in every Christian church. Perhaps they do here, I don't know. But most of the places, Christians pray for their sick. Et alors, et qu'on prie, que quelqu'un prie pour vous. C'est ce qu'on fait, ce qui devrait se faire dans toutes les églises chrétiennes. On le fait peut-être ici, je ne sais pas. Mais dans la plupart des endroits, les chrétiens prient pour leurs malades. Presbyterians and many of them are having great healing campaigns throughout the north and different parts of the country, praying for the sick and having great success. Presbyterian, Lutheran, Methodist, many of them. Des presbytériens et bien d'autres font de grandes campagnes de guérison. Un peu partout dans le nord et dans différentes régions du pays, ils prient pour les malades et avec beaucoup de succès. Presbytériens, luthériens, méthodistes sont nombreux à le faire. Their great revival started with healing campaigns. And so they got away from it, of course. A new group comes in, and a bunch of men gets together and divides it up the way they want to, and then there just goes away from it. You see, to get right back to that creed like Pharisees and Sadducees of the time of the Lord Jesus. Leur grand réveil avait commencé avec des campagnes de guérison. Et donc, bien sûr, ils se sont éloignés de ça. Le nouveau groupe arrive, une bande d'hommes se réunit et ils morcellent tout cela à leur guise. Et alors, c'est là qu'ils s'en éloignent, vous voyez, ils retournent tout droit au credo, comme les pharisiens et les sadducéens de l'époque du Seigneur Jésus. But now every minister is invited Sunday afternoon to come and be with me and help me as we pray for the sick. Bring out your sick and afflicted. Mais maintenant, tous les ministres sont invités, dimanche après-midi, à venir m'accompagner et m'assister pendant que nous prierons pour les malades. Venez avec vos malades et vos affligés. Now we're trying now to let people to find sinners.
that doesn't know our Lord, that doesn't realize that he is not dead. He's a living. Yes. He is not dead. He is alive forevermore. And he said, because I live, you live also. Maintenant, nous cherchons là à amener des gens à trouver des pécheurs qui ne connaissent pas notre Seigneur, qui ne se rendent pas compte qu'il n'est pas mort. Il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant au siècle des siècles. Et il a dit, « Parce que je vis, vous aussi, vous vivez. » What a promise and what a consolation when we see the time near. All real Christians believe that the second coming of Christ is near. How far away, we don't know. Quelle promesse et quelle consolation alors que nous voyons que le moment est proche. Tous les vrais chrétiens croient que la seconde venue de Christ est proche. Dans combien de temps, nous ne le savons pas. Did you see Alaska having a couple more earthquakes today? One of them as hard as the first one was, only didn't shake it down. You know, Jesus said them kind of things would take place just before his coming. Avez-vous vu qu'il y a eu encore deux ou trois tremblements de terre en Alaska aujourd'hui? L'un d'eux aussi violent que le premier l'avait été, sauf qu'il n'y a pas eu d'effondrement. Vous savez, Jésus a dit que ce genre de choses arriverait juste avant sa venue. And remember these things that you're seeing happening here. The Word predicted they'd be here just the same as He predicted the earthquake. So together, why can't we just put our hearts together and knit it in God's Word and believe with all of our heart? Amen. Et souvenez-vous, ces choses que vous voyez arriver ici, la parole avait prédit qu'elles arriveraient, tout comme il avait prédit ce tremblement de terre. Alors ensemble, pourquoi ne pas simplement unir nos cœurs, les souder par la parole de Dieu et croire de tout notre cœur? All right, now, last night we was, I took a text of Abraham when he called the name of the Lord that appeared to him up there at the sacrifice of his son where he's going to. The name was called Jehovah Jireh, which is the Lord shall provide for himself a sacrifice. Très bien. Donc, hier soir, j'ai pris pour sujet Abraham, le moment où il a appelé le nom du Seigneur, qui lui est apparu là-bas au moment du sacrifice de son fils, où il allait le sacrifier. Il a été appelé du nom de Jéhovah Jireh, c'est-à-dire, le Seigneur se pourvoira lui-même du sacrifice. Now, tonight, I have a few scriptures and notes or two wrote down here that I'd like to leave with you. Now, just before we do, let's pray just a moment again. Maintenant, ce soir, j'ai quelques passages de l'Écriture et quelques notes, ou j'en ai noté deux ici, que j'aimerais vous transmettre. Maintenant, juste avant de le faire, prions encore pendant un instant. Father, we pray that you will take thy word. Thy word is truth. And the Bible said, Jesus speaking said, the word is a seed that a sower sowed. Père, nous te prions de prendre ta parole. Ta parole est la vérité. Et la Bible dit, Jésus a prononcé ces mots, la parole est une semence qu'un semeur a semée. Now we realize that if a seed is a good seed, it's germinated. And if that seed has been carried out its plan in God's will, then it leaves a germinized seed. Or, nous comprenons bien que si une semence est une bonne semence, elle contient un germe. Et si cette semence a été menée à bonne fin, selon ce qui avait été prévu dans la volonté de Dieu, alors elle donne une semence qui contient ce germe. And when Jesus was on earth, he was that vine. And the seed that he sowed was his word. And we know that it's germinized by his own life. Et quand Jésus était sur terre, il était le cep. Et la semence qu'il a semée, c'était sa parole. Et nous savons qu'elle contient le germe de sa propre vie. And we know that a seed, when it falls in the right kind of ground, not upon rocks, but no root, nor in thorns and thistles that would soon choke it out, but in good, rich, fertile faith. Every seed will bring forth of its kind. Et nous savons qu'une semence, quand elle tombe dans la bonne sorte de terre,
non pas sur les pierres, elle n'aurait pas de racines, ni parmi les épines et les chardons, qui l'auraient rapidement étouffée, mais dans une bonne foi, riche et fertile. Chaque semence produira selon son espèce. And we know that every seed or promise of God will bring forth of its kind what it promised, if it strikes the right ground, the ground that's prepared, ready. Et nous savons que chaque semence ou promesse de Dieu produira selon son espèce, selon ce qui a été promis, pourvu qu'elle tombe dans la bonne terre, la terre qui a été préparée, qui est prête. All the rocks has been thrown out, and the roots and the bitterness and selfishness and indifference and jealousy has all been grubbed out. Elle a été débarrassée de toutes les pierres et les racines, l'amertume, l'égoïsme, l'indifférence, la jalousie. Tout cela a été extirpé. That root of bitterness that springs up that sometimes so spoils the thing that God's trying to do. We pray, God, that that won't be among us, but that the good word will find good ground. Cette racine d'amertume qui pousse des rejetons parfois, c'est ce qui gâche tant la chose que Dieu essaie d'accomplir. Nous prions au Dieu qu'il n'y ait rien de cela parmi nous, mais que la bonne parole trouvera une bonne terre. And these, as we follow this great patriarch Abraham, in the lesson tonight, may we find our position knowing that we are children of Abraham by faith in Christ. And then get glory to thy own name and honor, for we ask it in Jesus Christ's name. Amen. En ceci, comme nous suivrons ce grand patriarche Abraham dans notre leçon de ce soir, puissions-nous trouver notre position en sachant que nous sommes des enfants d'Abraham par la foi en Christ. Et que ton nom soit glorifié et que l'honneur te soit rendu, car nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. We are going to kind of review back a little bit tonight for the lesson of what we were speaking on last evening. That was that we have found Abraham beginning in Genesis, the 12th chapter. Nous allons faire un genre de petit retour en arrière ce soir pour notre leçon, reprendre ce que nous disions hier soir. Il s'agissait d'Abraham, que nous avons vu à partir du chapitre 12 de la Genèse. Really, his name was spoken in the 11th chapter when his father came down from Babylon and they dwelled in the Ura and the land of the Chaldeans. En fait, son nom est mentionné au chapitre 11, où son père est descendu de Babylone, où ils habitaient à Ur, et ce, au pays des Chaldéens. And then we find that also that God called Abraham, just an ordinary man by the name of Abram. He wasn't Abraham yet. And Sarah wasn't Sarah yet. Et puis, nous avons aussi vu que Dieu a appelé Abraham, qui n'était qu'un homme ordinaire du nom d'Abraham. Il n'était pas encore Abraham. Et Sarai. Sarah n'était pas encore Sarah. So we find out Sarah and Sarah was two different names. And Abram and Abraham was two different names. Donc nous avons vu que Sarai et Sarah, c'était deux noms différents. Et Abraham et Abraham, c'était deux noms différents. Now, we find that in this, we brought him up last night until the confirmation that God confirmed to him the covenant, how he would prove to Abraham that he is going to keep his promise. That's found in this 15th chapter of Genesis. Donc, là, nous avons vu hier soir, nous l'avons suivi jusqu'à la confirmation, où Dieu lui a confirmé l'alliance, le moyen par lequel il allait prouver à Abraham qu'il tiendrait sa promesse. Ça se trouve au chapitre 15 de la Genèse. And how and Abraham was called out in the evening to take down, slay a calf or a young heifer and a she-goat
and a ram. And we got into that last night, how the two females and the male. Le moyen est Abraham, il lui était demandé sur le soir d'abattre, d'immoler un veau ou une jeune génisse, et une chèvre et un bélier. Et nous avons vu cela hier soir, les deux femelles et le mâle. And then the two doves are pigeon and dove, which is the same family, and got the representation of that always represented healing, which it never changed. Healing's always been by faith, but the atonement, of course, was divided from an animal life unto a human life. Et puis les deux colombes, ou le pigeon et la colombe, qui sont de la même famille. Et nous avons vu ce que cela représentait, que cela a toujours représenté la guérison, ce qui n'a d'ailleurs jamais changé. La guérison s'opère par la foi, depuis toujours. Par contre, l'expiation, bien sûr, cela a été partagé. C'est passé d'une vie animale à une vie humaine. Now in the Old Testament, when the worshipper come with the blood, God only meets people under the shed blood. The only place he ever did or ever will. Maintenant, dans l'Ancien Testament, quand l'adorateur se présentait là avec le sang, Dieu rencontre uniquement les gens sous le sang versé. C'est le seul lieu où il les ait jamais rencontrés et où il les rencontrera jamais. He'll never meet you with your creed. He'll never meet you with your education. He'll meet you under the blood. That's the only place. All Israel worshipped under the blood. Avec votre credo, il ne vous rencontrera jamais. Avec votre instruction, il ne vous rencontrera jamais. C'est sous le sang qu'il vous rencontrera. C'est le seul lieu. Tout Israël adorait sous le sang. And we find there then also that we found what back in the history of what how a covenant was made by people. And we find out in the Orient type and different ways they make the covenant, how we do today by shaking hands and so forth and say, seal it. And the Japanese throw salt on each other for covenant. Et ce que nous avons vu là aussi, nous avons vu quoi? En retournant dans l'histoire de tout cela, comment les gens contractaient une alliance. Et nous avons vu la manière orientale et les différentes manières dont ils contractaient une alliance. Et la manière dont nous le faisons aujourd'hui. Nous nous serrons la main et tout. Et nous disons, marché conclu. Et les Japonais se jettent du sel l'un sur l'autre pour conclure une alliance. And traveling around the world, and you find much of the world still in the same condition it was back in them days, especially in the Orient and in the East. Et quand on voyage de par le monde, alors on découvre qu'une grande partie du monde est encore dans le même état qu'à cette époque-là, surtout les pays orientaux et en Orient. Your Bible becomes a new book if you ever go to the East. You'll never, back in Jerusalem, Palestine, back in there, the Bible is written and we're English people over here and the Western people trying to understand an English book. So it's a very hard thing. Votre Bible devient un livre nouveau si jamais vous allez en Orient. Jamais vous ne... Là-bas, à Jérusalem, en Palestine, là-bas, vous, la Bible, elle est écrite dans... Nous sommes de culture anglophone, ici, et nous, occidentaux, nous essayons de comprendre un livre anglais. Alors, c'est très difficile. If you go back there, you find out the marriage and everything, and just exactly the way they did it in the time of Christ. Many things there hasn't changed at all, in their customs and ways. Si vous allez là-bas, vous constaterez que le mariage et toutes ces choses se déroulent exactement comme du temps de Christ. Beaucoup de choses là-bas n'ont pas changé du tout. Leurs coutumes et leur manière de faire. And now, in this we find that when they made this covenant in them days, they drew it out on a piece of sheepskin or leather. And then they killed an animal and stood between the pieces and cut it, their covenant, or into their words, pulled it into like that. Et donc, nous, là, nous avons vu qu'à cette époque-là, quand ils contractaient leur alliance, ils la mettaient par écrit sur un morceau de peau de mouton ou de cuir. Ensuite, ils tuaient un animal et ils se plaçaient entre les morceaux. Et ils coupaient ça, leur alliance, ou en deux, leurs paroles. Ils déchiraient ça en deux, comme ça. And when they come together, these had to dovetail exactly the very same, had to meet piece by piece, so it could not be duplicated. Et quand ils se retrouvaient,
Il fallait que ces morceaux-là concordent vraiment en tout point. Il fallait qu'ils se raccordent, un morceau avec l'autre. Alors, il était impossible de faire un double de ça. So, therefore, we find then that in our lesson last night, we found that what God did to prove to Abraham his covenant. Now, Abraham, the promise was made to Abraham and his seed after him. Not only Abraham, but his seed. Et donc, nous avons vu là, dans notre leçon d'hier soir, nous avons vu ce que Dieu a fait pour prouver son alliance à Abraham. Or, Abraham, la promesse a été faite à Abraham et à sa postérité après lui. Non pas seulement à Abraham, mais aussi à sa postérité. Now the seed, natural seed of Abraham was Isaac. But the spiritual seed of Abraham's faith was Christ. Not through Isaac all the world was blessed, but through Christ, the royal seed, all the world was blessed. For he died for all people, all nations, and all peoples. Or la postérité naturelle d'Abraham, c'était Isaac. Mais la postérité spirituelle de la foi d'Abraham, c'était Christ. Ce n'est pas en Isaac que le monde entier a été béni, mais c'est en Christ, la postérité royale, que le monde entier a été béni, car il est mort pour tous, toutes les nations et tous les peuples. Now we see in this also, in this covenant, that he showed there what he would do, how God would tear apart Christ, Jesus, and the body was raised up and sets on the right hand of God in the majesty on high. And the Spirit of Christ was brought down upon the earth. Maintenant, nous voyons aussi que par ceci, par cette alliance, il montrait là ce qu'il allait faire, que Dieu allait déchirer Jésus-Christ. Et le corps a été ressuscité et est assis à la droite de Dieu, de la majesté divine, dans les lieux très hauts. Et l'Esprit de Christ est redescendu sur la terre. Now, if we had time, you could prove that anything one part of the Scripture says, it goes all the way through the Bible. If it doesn't, then it's something wrong. Maintenant, si nous avions le temps, on pourrait prouver cela. Tout ce qui est dit dans une partie de l'Écriture, cela cadre tout au long de la Bible. Si cela ne cadre pas, alors il y a quelque chose qui ne va pas. You know, old was just a shadow of the new, foreshadowing it. Then if you get the shadow, you can pretty well tell what the new is. So that's where he was, is, and shall be. L'ancien n'était qu'une ombre du nouveau. Il préfigurait celui-ci. Donc, si vous voyez ce qu'est l'ombre, vous pourrez assez bien identifier ce qu'est le nouveau. Alors, voilà où il était, où il est, et où il sera. Now, this spirit of Christ come back upon the church, exactly fulfilled John 15 again, where he said, I am the vine, ye are the branches. And then again, John 14, 12, he that believeth in me, the works that I do shall he do also. Same works, same thing. Maintenant, cet esprit de Christ est revenu sur l'Église, ce qui a aussi accompli exactement Jean 15, où il a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Et aussi Jean 14, 12, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Les mêmes œuvres, la même chose. All down through the Scripture, if you abide in me and my word, and you ask what you will, it'll be given to you. Many things that Christ, a little while and the world seeth me no more. Et ainsi de suite, d'un bout à l'autre de l'Écriture. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera donné. Beaucoup de choses que Christ, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. The world there, the Greek word cosmos, which means world order, sees me no more. Yet ye shall see me. For I being a personal pronoun, I'll be with you, even in you, to the end of the world, making Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Le monde, le mot grec là, cosmos, ce qui signifie l'ordre du monde, ne me verra plus, mais vous me verrez, car je, c'est un pronom personnel, je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde, démontrant que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. He
He remains. He raised from the dead. The world, the unbeliever, won't see me. They won't recognize it. But the believer will recognize him because he's the same Jesus that he always was. He hasn't changed. Same yesterday, today, and forever. Il demeure. Il est ressuscité des morts. Le monde, l'incroyant, ne me verra pas. Ils ne reconnaîtront pas ce qu'il en est. Mais le croyant le reconnaîtra, parce qu'il est le même Jésus qu'il a toujours été. Il n'a pas changé. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. And that word, many people try to make that like it's not inspired. Now, I want to say something here, and it's come on my mind, and I do not believe that the pulpit is made for a place for jokes. This is no joking place. This is a sincerity. We see the day of the Lord appearing, we should be that much more sincere. Et alors, et cette parole, bien des gens essayent de la présenter comme quelque chose qui n'est pas inspiré. Bon, maintenant, je veux dire quelque chose là qui vient de me venir à l'esprit. Et je ne crois pas que la chair soit un endroit où il convient de faire des plaisanteries. Ici, ce n'est pas un endroit pour plaisanter. Ici, c'est la sincérité. Et comme nous voyons poindre le jour du Seigneur, à combien plus forte raison devons-nous être sincères? But there was a story told me some time ago of a young fella. This was in Boston, and he went away. He had a fine mother first to begin the story, and the mother certainly knew that her boy had a calling in his life to serve the Lord. Mais on m'a raconté une histoire il y a quelque temps au sujet d'un jeune homme qui, ça s'est passé à Boston. Lui, il était parti au loin. Il avait une très bonne mère, d'abord pour commencer cette histoire. Et sa mère, sans doute qu'elle savait que son garçon avait dans sa vie un appel à servir le Seigneur. That would help any mother, or to any real mother, to know that their son, if God has honored them with a child, is going to preach the gospel. That ought to be an asset to any mother's life. Et ça, c'est quelque chose qui ferait du bien à n'importe quelle mère. Ça devrait le faire, n'importe quelle vraie mère, de savoir que son fils, que Dieu l'a honoré en lui donnant un enfant qui va prêcher l'Évangile. C'est quelque chose qui devrait être valorisant dans la vie de n'importe quelle mère. And so the poor mother, trying to do everything she could, she sent him away to school and to a seminary to receive his BA. Et donc, sa pauvre mère, qui s'efforçait de faire tout ce qu'elle pouvait, elle l'a envoyé en pension à un séminaire pour qu'il obtienne sa licence en lettres. And so while he was away, the mother took seriously sick. And so she, as any Christian would do, they called the doctor, and the doctor, she had a double pneumonia. And the doctor tried all he could do for her to check the pneumonia, and there was nothing. Et alors, pendant qu'il était au loin, sa mère est tombée gravement malade. Et alors elle, comme le ferait tout chrétien, on a fait venir le médecin. Et le médecin, elle avait une pneumonie double. Et le médecin a fait tout ce qu'il a pu pour elle, pour enrayer la pneumonie, mais rien n'y faisait. He gave her drugs of sulfur, penicillin, and so forth to kill the germ, and it didn't take effect. The mother got worse constantly. Il lui a donné des médicaments à base de soufre, de la pénicilline, et ainsi de suite pour tuer le microbe. Mais c'était inefficace. L'état de la mère ne faisait qu'empirer. So they sent word to her son, which was way down at Asbury, Kentucky, to Wilmore College to come and see her because she was going to die. And then the next morning, when the boy was getting ready to leave, they received the telegram, "Your mother's much better. Wait for further call." Alors, ils ont envoyé un message à son fils qui était au loin, à Asbury, dans le Kentucky, à l'université de Wilmore, lui disant de venir la voir, parce qu'elle allait mourir. Et le lendemain matin, au moment où le jeune homme allait partir, un télégramme est arrivé. « Votre mère va beaucoup mieux. Attendre jusqu'à nouvel ordre. » About a year later, the woman had the privilege of seeing her son. He returned home on vacation and time off of his school.
And he said, Mother, I heard that you got all right after they'd had a little time of fellowship as son and mother would. Environ un an plus tard, cette femme a eu le bonheur de voir son fils. Il est rentré pour les vacances, la période des vacances scolaires. Et il a dit, « Maman, j'ai appris que tu t'étais rétablie. » Après qu'ils ont passé ensemble quelques moments de communion, un fils avec sa maman. I never didn't understand just what drug the doctor changed to cause your conditions to improve so quickly. She said, son, it wasn't that. Il a dit, je n'ai jamais compris au juste quel changement le médecin avait fait dans ta médication pour que ton état s'améliore si rapidement. Et elle a dit, fiston, ce n'était pas ça. She said, you know where that little mission is down the street here, them people down there that said, yes, I remember that. Elle a dit, tu sais, là où il y a cette petite mission, plus bas dans la rue, ces gens là-bas qui... Il a dit, oui, je me souviens de ça. Said, there's a lady said that she felt led to come up here and ask me if the pastor could come pray for me. And so I told her it was all right. Elle a dit, une dame a dit qu'elle s'était sentie conduite à venir ici pour me demander si j'accepterais que le pasteur vienne prier pour moi. Alors je lui ai dit que c'était d'accord. So said the pastor come up and read out of the Bible. If any among you sick, call the elders, anoint them with oil, pray over, and prayer of faith shall save the sick. Donc, elle a dit, le pasteur est venu, et il a lu dans la Bible, si quelqu'un parmi vous est malade, appelez les anciens, et qu'ils loignent d'huile et prient pour lui. La prière de la foi sauvera le malade. And said, you know, he read that out of the scripture, and he prayed for me and anointed with me with oil, and the next morning I was so much better, the doctor let me set up, and in a couple of days I was all right. Et elle a dit, tu sais, il a lu ça dans l'Écriture, et il a prié pour moi et ma ointe d'huile. Et le lendemain matin, j'allais tellement mieux que le médecin m'a permis de m'asseoir. Quelques jours plus tard, j'étais rétabli. Well, he said, oh, praise the Lord. She said, son, you ought to... He said, mother, you're beginning to act like those people. He said, listen, mother. Eh bien, elle a dit, oh, loué soit le Seigneur. Elle a dit, « Fiston, tu devrais... » Il a dit, « Maman, tu commences à te comporter comme ces gens-là. » Il a dit, « Écoute, maman. » He said, « We have learned up at the school that where he read there, the second scripture he read was in Mark 16, where these signs shall follow them that believe. They'll lay hands on the sick and they shall recover. » Il a dit, « Nous avons appris là-bas à l'école que le passage qu'il a lu là, le deuxième passage de l'Écriture qu'il a lu, ça se trouve dans Marc 16, où il est dit, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » So we learned up at school that Mark 16, from the ninth verse on, is not inspired. Said, so you see, those people don't go to school, most of them down there. They're uneducated, kind of illiterate people. Il a dit, « Nous avons appris là-bas à l'école » que Marc 16, à partir du verset 9, n'est pas inspiré. Il a dit, tu vois, ces gens-là, ils ne vont pas à l'école, la plupart de ceux qu'il y a là-bas. Ce sont des gens sans instruction, des illettrés, quoi. Said they will mean well, no doubt. But said we learn at school that from the ninth verse on, that was just added. Perhaps for the Vatican or something, but said because that part is not inspired. The little mother let out a great big hallelujah. Il a dit, ils ont sans doute de bonnes intentions. Mais il a dit, nous avons appris à l'école qu'à partir du verset 9, c'est seulement quelque chose qui a été ajouté, peut-être par le Vatican ou quelque chose comme ça. Mais il a dit, parce que cette partie-là n'est pas inspirée. Sa brave maman a poussé un gros alléluia. And so she said, he said, mother... Well, what makes you say that? Said, I was just thinking, son, if God could heal me with the uninspired word, what really could it do with that's really inspired? Et alors, il a dit, maman, mais pourquoi est-ce que tu dis ça? Elle a dit, je réfléchissais à ceci, fiston. Si Dieu a pu me guérir avec la parole qui n'est pas inspirée, alors vraiment, qu'est-ce qu'il pourrait faire avec celle qui est réellement inspirée? So such as the other promises,
Ask anything in my name, I'll do it. Yeah. If you say to this mountain, be moved, and don't doubt in your heart, but believe that what you have said will come to pass, you can have what you've said. Amen. When you pray, believe, you receive what you ask for, and it shall be given to you. Amen. See, it's all inspired. Every bit of it. Alors, comme les autres promesses, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Si vous dites à cette montagne, au toit de là, et que vous ne doutez pas dans votre cœur, mais que vous croyez que ce que vous avez dit arrivera, ce que vous aurez dit vous sera accordé. Quand vous priez, croyez que vous avez reçu ce que vous avez demandé, et cela vous sera donné. Voyez, elle est toute inspirée, toute d'un bout à l'autre. When Marsh Reed had a very fine a scholar come to my house, he received the baptism of the Holy Spirit, fell across a little coffee table in the house. Quand Maurice Reedhead, un excellent érudit, est venu chez moi, il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Il s'est laissé tomber sur une petite table basse chez moi. He said to me, he said, Brother Branham, I understand that you was you're a Baptist. And I said, well, I just was ordained to Missionary Baptist Church. He said, boy, I don't belong to... Il a dit, Frère Branham, j'ai cru comprendre que vous étiez vous êtes baptiste. Et j'ai dit, eh bien, j'ai simplement été ordonné dans l'église baptiste missionnaire quand j'étais jeune. Je ne fais pas partie de... Said, well, what's these Pentecostals you're hanging around with? I said, they're just people like you and I. Il a dit, eh bien, qu'en est-il de ces pentecôtistes que vous côtoyez? J'ai dit, ce sont des gens comme vous et moi. He said, well, listen, said, do you think that's the Holy Ghost what they got? I said, sure. Il a dit, eh bien, écoutez, il a dit... Pensez-vous que ce qu'ils ont là, c'est le Saint-Esprit? J'ai dit, bien sûr. He said, why all the kicking and stomping and hollering? I said, well, they got to blow the steam out the whistle if they don't put it to use, make the wheels roll. I said, if you just ever get them to learn what it's all about, instead of just blowing it out that way, put it to work, faith, out on the street, trying to get people in, into the kingdom of God. Il a dit, pourquoi tout ça? De gigoter, de frapper du pied, de crier à tue-tête? J'ai dit, eh bien, il faut qu'il fasse passer la vapeur par le sifflet, s'il ne l'utilise pas pour faire tourner les roues. J'ai dit, si seulement on pouvait les amener à voir de quoi il s'agit réellement, plutôt que de faire sortir ça comme ça. Mettez-la en action, cette fois, dans la rue, là-bas, à essayer de faire entrer les gens dans le royaume de Dieu. And he said, well, I've seen him do all that, so I'll tell you why I'm here. So the fine boy from India, so he got his education in school. Et il a dit, eh bien, moi, je les ai vus faire tout ça. Il a dit, je vais vous dire pourquoi je suis ici. Il a dit, un brave jeune homme qui était venu de l'Inde. Il a dit, il a reçu son instruction, fait des études. So, when I went to leave, take him to the plane, to put him on a plane, to start him back overseas, I said to him, I said, son, now you got your education, going back to your people. I think he started, I think electronics. Il a dit, comme j'allais le quitter, l'accompagner jusqu'à son avion, pour lui faire prendre son avion, qu'il retourne outre-mer, j'ai dit, mon garçon, maintenant que tu as reçu ton instruction et que tu retournes auprès de ton peuple, je pense qu'il avait étudié, je pense que c'était l'électronique. Said when he started back, he said, why don't you forsake that old dead prophet Muhammad and get a real resurrected Jesus Christ in your heart? Il a dit, quand il était sur le départ, il a dit, pourquoi ne pas laisser tomber ce vieux prophète mort, Mahomet, et recevoir dans ton cœur un Jésus-Christ ressuscité et réel? And he said, sir, I want to ask you something. Now remember, this is from one of the greatest Bible schools, fundamental schools. This guy's one of their teachers. Et il a dit, monsieur, je voudrais vous demander quelque chose. Maintenant, souvenez-vous là, l'un des plus grands instituts bibliques, l'une des plus grandes écoles fondamentalistes. Cet homme est l'un de leurs enseignants. He said, what could your Jesus do for me any more than my prophet can do? He said, well, he said, my Jesus can give you eternal life. He said, the Quran promises the same thing. The Quran's a Mohammedan Bible. He said, it promises the same thing. Il a dit, qu'est-ce que votre Jésus pourrait faire de plus pour moi que ce que mon prophète peut faire? Il a dit, eh bien, il a dit, mon Jésus peut te donner la vie éternelle. Il a dit,
Le Coran promet la même chose. Le Coran, c'est la Bible des Mahométans, vous savez. Il a dit, il promet la même chose. He said, well, he said, I said, you know, the Quran didn't promise nothing. Muhammad promised nothing but life after death. He said, Jesus promised you teachers that these signs and wonders would follow. So that's what Jesus said. And said, we're waiting to see that done. See you teachers produce it. Think of it. Il a dit, eh bien, il a dit, oui, je... Il a dit, vous savez, le Coran n'a rien promis. Mahomet n'a rien promis d'autre que la vie après la mort. Il a dit, Jésus vous a promis, à vous les enseignants, que ces signes et ces prodiges allaient accompagner. Il a dit, c'est ce que Jésus a dit. Et il a dit, nous attendons de voir ces choses s'accomplir, de vous voir, vous les enseignants, les produire. Pensez-y. He said to me right then, he said, I realized I hadn't met an overnight boy. I know one who knew what he was talking about. He might have played off, but that's a good way to do it. Let the enemy jump onto you one time like that, and then you don't know where to go. See? So he said, I realized that wasn't an overnight boy. Il m'a dit, là, il a dit, j'ai constaté que je n'avais pas affaire à un novice. Et je connais, c'était quelqu'un qui savait ce qu'il disait. Il s'était peut-être amusé à lui renvoyer la balle, mais c'est une bonne façon de faire. Laissez l'ennemi vous sauter dessus une fois, comme ça, et après, il ne sait plus où se mettre. Voyez, donc il a dit, j'ai constaté que ce n'était pas un novice. And said, he said, well, now look here, Jesus is raised from the dead. He said, has he? Said, you've had 2,000 years to prove it, and not hardly the two-thirds of the earth never heard of him. What's the matter with you people? Et il a dit, mais écoute, Jésus est ressuscité des morts. Il a dit, vraiment? Il a dit, vous avez eu 2000 ans pour le prouver. Et il y a presque les deux tiers de la terre qui n'ont jamais entendu parler de lui. Alors, quel est le problème chez vous? He said, let Muhammad raise from the dead and the whole world will know it in 24 hours. That's right. Amen. See, they got a horse standing in his grave. I've seen it there. They change guards about every 4 hours, expecting him to raise. See that in type there? Coming on a white horse, see, to conquer the world. Il a dit que Mahomet ressuscite des morts et le monde entier le saura en 24 heures. Et c'est vrai. Voyez, il garde un cheval à son tombeau. J'ai vu ça là-bas. Il relève la garde à peu près toutes les 4 heures. Il s'attend encore à ce qu'il ressuscite. Cela représente un type venant sur un cheval blanc, voyez, pour conquérir le monde. And he said, let him raise from the dead, the whole world will know it. He said, well, Jesus did raise from the dead. He said, your prophet's in the grave. He said, how do you know he raised from the dead? Teacher said, he's in my heart. He said, Mohammed is in my heart too, sir. Donc il a dit. Que lui, il ressuscite des morts et le monde entier le saura. Il a dit, eh bien, Jésus est bel et bien ressuscité des morts. Il a dit, votre prophète, lui, est dans le tombeau. Il a dit, comment savez-vous qu'il est ressuscité des morts? Cet enseignant a dit, il est dans mon cœur. Il a dit, Mahomet aussi est dans mon cœur, monsieur. He said, but I have joy and peace, he said, sir. Mohammedism can produce just as much psychology as Christianity can. And they do. You ought to hear them shout and scream. They're right. Can produce just as much psychology as Christianity can. Il a dit, mais moi, j'ai la joie et la paix. Il a dit, monsieur, le mahométisme peut produire autant de psychologie que le christianisme. Et c'est effectivement le cas. Si vous les entendiez, eux, jubiler et pousser des cris, c'est vrai. Produire autant de psychologie que le christianisme. He said, well, what do you mean when you said Jesus promised all these things? You said, I suppose you're referring to Mark 16. He said, yes, that's one of them. Not altogether, but that's one. Il a dit, eh bien, vous parlez de quoi quand vous dites que Jésus vous a promis toutes ces choses? Il a dit, je suppose que vous parlez de Marc 16. Il a dit, oui, c'est l'un des passages. Ce n'est pas le seul, mais c'en est un. Jesus said the last words he said to his church, go ye into all the world, see, and preach the gospel, and these signs shall follow the believer. How long? All the world. Amen. Every creature. Yes. Jésus a dit les dernières paroles qu'il a adressées à son église.
Allez par tout le monde, voyez-vous, et prêchez l'évangile. Et voici les signes qui accompagneront le croyant. Combien de temps? Par tout le monde, à toute la création. If they lay their hands on the sick, they shall recover. The last words he said, according to your scripture. He said, well, you see, said, that's just, said, you see, that part isn't inspired. Said, he really didn't mean that. That was, he said, it ain't inspired. Said, what kind of a book are you reading? Said, all the Koran's inspired. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Les dernières paroles qu'il a prononcées d'après votre écriture. Il a dit, eh bien, tu vois, il a dit, ça ce n'est que... Il a dit, tu vois, cette partie-là n'est pas inspirée. Il a dit, ce n'est pas vraiment ça qu'il a voulu dire. Ce n'était pas... Il a dit, ce n'est pas inspiré. Il a dit, quel genre de livre lisez-vous? Il a dit, tout le Coran est inspiré. Mmh. It's the defeat of the weakness of theology, a man-made theology that hasn't got the spirit to stand up and face the thing. Like the Hebrew children said, our God's able to deliver us from this fiery plane. But nevertheless, we'll not bow to his image. C'est un échec dû à la faiblesse de la théologie, une théologie humaine dépourvue de l'esprit, qui ne peut pas se lever et affronter la chose. Comme les enfants hébreux qui ont dit, notre Dieu peut nous délivrer de cette fournaise ardente. Mais quoi qu'il en soit, nous ne nous prosternerons pas devant cette statue. We need people of courage. Man who's believed God's always been courageous and believed in the supernatural. Man who believed God. Nous avons besoin de gens qui ont du courage. Les hommes qui ont cru en Dieu ont toujours été courageux. Ils croyaient au surnaturel. Les hommes qui croient en Dieu. Mr. Reed said, I kicked the floor, Brother Bram kicked the dust like that. I couldn't answer the man. He said, I purposed in my heart to come see you after that. And that's what this was all about. And said, here I am. Monsieur Reedhead a dit, j'ai donné un coup de pied sur le sol, frère Branham, un coup de pied par terre, comme ça. Je n'ai pas pu répondre à cet homme. Il a dit, j'ai résolu en mon cœur de venir vous voir après ça, pour vous demander ce qu'il en est de tout cela. Et il a dit, me voici. He said, if the Holy Ghost said, Brother Branham, my mother sent me to school and said, I got my BA, I thought there's exactly, I said, I don't know what you mean. Il a dit, si le Saint-Esprit, il a dit, frère Branham, ma mère m'a fait instruire. Et il a dit, je me disais qu'après avoir obtenu ma licence en lettres, voilà, ce serait exactement, j'ai dit, je sais ce que vous voulez dire. Said that one day I got my BA, I thought right there I'd find Christ. He wasn't there. When I got my doctor's degree, said I've got enough degrees, honorary degrees, to plaster your walls, and where's Christ in all of it? Il a dit, et alors un jour, j'ai obtenu ma licence en lettres. Je me disais que voilà, c'est là que je trouverai Christ. Il n'était pas là quand j'ai obtenu mon doctorat. Il a dit, j'ai obtenu assez de diplômes, de distinctions honorifiques, que je pourrais en tapisser vos murs. Et dans tout cela, où est Christ? I said, who am I to say if the teachers are wrong, but that's not what we're talking about. It's the person Christ that you need. J'ai dit, qui suis-je pour déclarer que les enseignants sont dans l'erreur? Mais là n'est pas la question. C'est la personne de Christ que vous devez connaître. Now, a man's holding great campaigns everywhere. Dr. Lee Vail, there, a good friend of mine, is a friend of his also, and he's having great success praying for the sick and holding great big campaigns and everything. It's because that man believes. Maintenant, cet homme fait de grandes campagnes partout. Le Dr. Lee Vail, là, un bon ami à moi, est aussi un de ses amis. Et il a beaucoup de succès. Il prie pour les malades et il fait de très grandes campagnes et tout. C'est parce que cet homme a cru. Now, see, the spirit that was in Christ, the body, Jesus, which was God Emmanuel, the Holy Spirit, God, came down in Christ and he was made God with us. And then that was to redeem us, his blood shed. Donc, voyez, l'esprit qui était en Christ, dans le corps, Jésus, qui était Dieu, Emmanuel. Le Saint-Esprit, Dieu, est descendu en Christ et il a été fait Dieu avec nous. Et alors, il... C'était dans le but de nous racheter. Son sang a été versé. Now, in the Old Testament, when the worshiper came and laid his hands upon his offering, and he cut the throat of the priest did or sacrificed. Maintenant, dans l'Ancien Testament, quand l'adorateur venait,
qu'il posait ses mains sur son offrande et qu'il tranchait la gorge du... C'est le sacrificateur qui faisait cela, ou qui offrait le sacrifice. The worshipper helped the sacrifice with his hands and feeling the tear of the flesh and the little lamb dying, its little wool being bathed with his blood all over the believer's hands and so forth, has been caught in a charger to be burnt over there at the altar. L'adorateur tenait le sacrifice avec ses mains et il sentait la chair qui se déchirait et le petit agneau qui mourait. La laine du petit s'imbibait de sang. Il y en avait partout sur les mains du croyant et tout. On laissait couler cela dans un plat pour le brûler là-bas sur l'autel. The believer realized that he ought to be the one dying for that sin, but the lamb was dying in his place. Now, but the life that was in that blood could not come back on the worshipper because it was the blood of an animal which has no soul. But in therefore there was a remembrance of sin continually. Le croyant se rendait compte que c'est lui qui aurait dû mourir pour ce péché-là, mais que l'agneau mourait à sa place. Bon, mais la vie qu'il y avait dans ce sang-là ne pouvait pas revenir sur l'adorateur, parce que c'était le sang d'un animal, lequel n'a pas d'âme. Mais donc, par conséquent, le souvenir du péché était continuellement présent. But now, Jesus being Emmanuel, then the life of God was in him, and that comes back not only the life of a man, but God himself, in the form of the Holy Spirit, comes back and makes you sons and daughters of God. Amen. Then you are sons and daughters. Mais maintenant, comme Jésus était Emmanuel, alors la vie de Dieu était en lui, et c'est ce qui revient. Non pas seulement la vie d'un homme, mais de Dieu lui-même, sous la forme du Saint-Esprit, qui revient et fait de vous des fils et des filles de Dieu. Alors, vous êtes des fils et des filles. Man, when you feel the terror and the misery and the punishment that Jesus went through, mocked of his ministry, called a devil's work, Beelzebub, and made fun of and scoffed at by religious leaders and turned down, he came to his own received him not. Et alors, quand vous ressentez le déchirement et le supplice et le châtiment que Jésus a enduré, on s'est moqué de lui. On a dit de son ministère que c'était l'œuvre du diable, Belzébul. Et il a été ridiculisé et bafoué par les conducteurs religieux et rejeté. Il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. The things he went through with them, sacrificed his life on the cross to redeem that which God had foreknew. Redeem, bring it back to the place where it fell from. Et les choses qu'il a endurées, et puis d'avoir sacrifié sa vie sur la croix pour racheter tout ce que Dieu avait connu d'avance. Racheter, ramener à la position occupée avant sa chute. Then God did that in order to send back the Holy Spirit upon the church now that it, the people, the believers. Amen. It's only for believers. Amen. It isn't for unbelievers. They never will see if they're dead to begin with. Amen. Alors Dieu a fait cela pour pouvoir faire revenir le Saint-Esprit sur l'Église. Maintenant, pour qu'ils, sur les gens, les croyants, c'est uniquement pour les croyants. Ce n'est pas pour les incroyants. Eux ne le verront jamais. Ils sont morts dès le départ. Look at those Pharisees. When they seen Jesus perform the very sign that was supposed to be the Messiah's sign. Look at Peter, he believed it now. Nathaniel believed it right now. The woman at the well believed it. Blind Bartimaeus, all those that received it believed it. Regardez ces pharisiens quand ils ont vu Jésus exécuter le signe même qui devait être le signe messianique. Regardez Pierre, il y a cru tout de suite. Et Nathanaël y a cru tout de suite. La femme au puits y a cru. L'aveugle Bartimée. Tous ceux qui l'ont reçu, ils y croient. But those leaders stood there and said, it's Beelzebub, an evil spirit, some kind of a hoax or a trick. Jesus said, you say that against me, I'll forgive you. The sacrifice hadn't been made. But when the Holy Ghost has come to do the same thing, one word against it will never be forgiven. And this word are in the world to come. Mais ces conducteurs se sont tenus là et ils ont dit, c'est Belzébul, un mauvais esprit, un genre de coup monté ou de tour. Jésus a dit, si vous dites ça contre moi, je vous pardonnerai. Le sacrifice n'avait pas encore été offert.
Mais quand le Saint-Esprit sera venu faire la même chose, un seul mot contre lui ne sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Why could not they believe that Jesus said, you are of your father the devil and his works you'll do? Amen. It's correct. Pourquoi ne pouvait-il pas y croire? Jésus a dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir ses œuvres. C'est exact. To believe the word is to receive the word and let it become life. Now, God's showing there how he was confirming this covenant. It has to be that way. Croire la parole, c'est recevoir la parole et la laisser prendre vie. Donc, Dieu montrait là par quels moyens il confirmait cette alliance. Il doit en être ainsi. The church, not an organization, not a denomination, but the individual. And God has become the same spirit. That's God's purpose in the beginning. L'Église, non pas une organisation, ni une dénomination, mais c'est l'individu et Dieu qui doivent devenir un même esprit. C'était ça le dessein de Dieu au commencement. Adam and Eve was the same spirit. The Bible said in Genesis, in the 1:27, in the image of God, God's a spirit. In the image of God created he him. Male and female created he them. In the spirit form that was in God. Adam et Ève étaient un même esprit. La Bible dit dans Genèse, dans 1:27, à l'image de Dieu. Dieu est esprit. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle, sous la forme de l'esprit, de ce qui était en Dieu. And Adam was to take care of the land, just like the Holy Spirit is supposed to lead the church now, and yet man was not in flesh, and he was both masculine and also he was feminine, because it's the same Spirit. Et Adam devait avoir soin de la terre, tout comme le Saint-Esprit doit conduire l'Église maintenant. Et pourtant l'homme n'était pas en chair, et il était les deux, il était masculin et il était aussi féminin, parce que c'était le même Esprit. Then, God created man out of the dust of the earth and made him in the form of animal, which we are now. Animal, we know. We're a mammal. And that's a warm-blooded animal. And we're in that image of animal life. Ensuite, Dieu a créé l'homme de la poussière de la terre et lui a donné la forme d'un animal. Et c'est ce que nous sommes maintenant, des animaux. Nous savons cela. Nous sommes des mammifères. Ce sont les animaux à sang chaud. Et nous sommes à cette image-là de la vie animale. And then God took a rib from Adam. Not a woman is a byproduct of a man, not exactly in the original creation. Right. He took a rib, he separated the physical and took the feminine spirit from Adam and put it in Eve. There was a man and a woman. Et ensuite, Dieu a pris une côte d'Adam, non pas... La femme est un produit dérivé de l'homme. Elle ne fait pas partie, en fait, de la création originelle. Il a pris une côte, il a séparé le corps physique et il a pris l'esprit féminin qui était en Adam et l'a mis en Ève. C'était là l'homme et la femme. And when they get out of those places, they're out of their right condition. There's a perversion somewhere. When a woman wants to be masculine or a man wants to act feminine. There's something wrong somewhere. They're out of their right conditions. Et quand ils quittent leur position, ils ne sont plus dans leur état normal. Il y a une perversion quelque part. Quand une femme cherche à être masculine ou qu'un homme cherche à agir comme une femme, il y a quelque chose qui cloche quelque part. Ils ne sont plus dans leur état normal. We notice that Rebecca and Isaac being on blood relation. See, but now that was typing Israel's natural seed. But by faith, Christ come on the scene, which is not in the natural. Ce que nous remarquons dans le cas de Rebecca et d'Isaac, c'est qu'ils étaient parents par le sang, voyez. Mais c'était là un type de la postérité naturelle d'Israël. Mais par la foi, c'est Christ qui est venu. Et là, ce n'est pas sur le plan naturel. Like the token was on the blood on the door of the post. Down in Egypt, no matter how much circumcised, how much covenant they had, the token had to be shown. Or the covenant was annulled. Certainly when I see the blood, I'll pass over you. Comme le signe qui était appliqué, le sang sur la porte, le poteau en Égypte. Peu importe qu'ils aient été circoncis,
qu'ils aient été sous une alliance, il fallait que le signe soit montré, sinon l'alliance était annulée. Certainement, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Now the token is not the blood, it is the life that was in the blood, the Holy Spirit. And that's the, I don't care how religious you are, unless you receive the Holy Ghost, you perish. Le signe, maintenant, ce n'est pas le sang, c'est la vie qui était dans le sang, le Saint-Esprit. Et c'est le « peu m'importe combien vous êtes religieux, à moins que vous ayez reçu le Saint-Esprit, vous périrez. » The only way, there's not another scripture to do anything. Only that alone. Grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed until the day of your redemption. Amen. Ephesians 4:30. C'est le seul moyen. Il n'y a aucun passage de l'Écriture qui prescrive quoi que ce soit d'autre. C'est ça et rien d'autre. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Éphésiens 4:30. Notice, now we come back. Then that shows that Adam and Eve were one to begin with. Husband and wife is supposed to still be one. Remarquez maintenant, nous revenons. Alors cela montre qu'Adam et Ève, au départ, ils étaient un. Le mari et la femme sont encore censés être un. Now, but when they separated them into the flesh, it was there that Eve fell. Yes. Fell why? To disbelieving the word. Amen. Every phase of it. Some people can take one part of the word, but not the rest. It's all got to be there. Amen. Bon, mais là, une fois qu'ils ont été séparés, placés dans la chair, c'est là qu'Ève est tombée. Tombée, pourquoi? Pour n'avoir pas cru la parole, toutes les phases de celle-ci. Certaines personnes peuvent recevoir une partie de la parole, mais pas le reste. Tout doit être là. Voyez, voyez. She just doubted one phase of it. And if all this sickness and trouble we've had now come by one woman doubting one phase of it, how are we going to get back anything less than believing it all and accepting it all? Amen. Elle n'a douté que d'une seule phase de la parole. Et c'est toutes ces maladies et tous ces ennuis que nous avons maintenant sont venus à cause d'une seule femme qui a douté d'une seule phase de la parole. Comment allons-nous pouvoir revenir, à moins de la croire toute et de l'accepter toute? That was her, they was fortified by that word. When they separated in flesh, they fell, she fell by the word. C'était leur, ils étaient à l'abri, fortifiés par cette parole. Une fois qu'ils ont été séparés dans la chair, ils sont tombés. Elle est tombée à cause de la parole. She, watch what did she look for? Just so many people today, they want a better stylish way, a easier way. They don't want to confront the thing that's set before them. If they do, they're put out of their organization. Excommunicated. Thought little of. Elle, observez, qu'est-ce qu'elle cherchait? Tant de gens aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est une voie meilleure, une voie à la mode, une voie plus facile. Ils ne veulent pas affronter la chose qui leur est présentée. S'ils le font, ils sont exclus de leur organisation, excommuniés, méprisés. Don't you know that all men shall speak evil of you falsely? For my sake, rejoice and be exceedingly glad. For great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophets which were before you. And all that live godly in Christ Jesus shall suffer persecutions. Ne savez-vous pas que tous les hommes diront faussement du mal de vous à cause de moi? Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Et tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Now what else do we want him to say? Thousands of more scriptures pertaining to that would run from Genesis to Revelations, and anything that we have today began in Genesis. It's the seed chapter. All unbelief and everything started right here. Alors, qu'est-ce que nous voulons l'entendre dire de plus? Il y a des milliers de paroles que nous pourrions, de références bibliques, se rapportant à cela, qui s'enchaînent de la Genèse à l'Apocalypse. C'est que tout ce que nous avons aujourd'hui a commencé dans la Genèse. C'est le chapitre des semences. Toute incrédulité et toutes choses ont commencé juste ici.
The church started right there. Yes. Everything started there. It's like two vines growing and one impersonating the other and getting right up almost the same, like Moab and also Moses. L'église a commencé juste là. Tout a commencé là. C'est comme deux vignes qui poussent et l'une imite l'autre et grandit jusqu'à devenir presque pareille à l'autre. Comme Moab et Moïse aussi. There come Israel, no denomination, no nation at all. And they had the same sacrifice here in Moab, a fine denomination. All their dignitaries come out, offer the same sacrifice. Voilà Israël qui arrive, modeste, sans dénomination, pas une nation du tout. Et chez Moab, là, ils avaient le même sacrifice, une belle dénomination. Tous leurs dignitaires sont venus, ils ont offert le même sacrifice. Trying to, their bishop up there, Balaam, come down to curse that what God had blessed. They thought these renegade people, they don't even have a church home as it was. They're just wanders about. Cherchant à... Leur évêque là-bas, Balaam, est venu pour maudire ce que Dieu avait béni. Il se disait, ces renégats-là, ils n'ont, pour ainsi dire, même pas d'église à eux. Ils ne font qu'errer, ça et là. And he said, but they failed to hear that shout of the king in the camp. He failed to see that divine healing going there with that serpent and the smitten rock to give them life. The shout of the king in the camp. Et il a dit, mais ils n'entendaient pas ce cri du roi dans le camp. Ils ne voyaient pas la guérison divine qui s'opérait là au moyen de ce serpent. Et le rocher qui avait été frappé pour leur donner la vie. Le cri du roi dans le camp. He failed to see that blinded bishop. But yet, fundamentally, he was just as right as Moses was. Seven altars, seven sacrifices, even offered a ram, speaking of the coming of Christ. Cet évêque, aveuglé, il ne voyait pas cela. Et pourtant, fondamentalement, il avait raison autant que Moïse. Cet autel, sept sacrifices, il a même offert un bélier, ce qui annonçait la venue de Christ. But God don't need nobody to interpret him. He's his own interpreter. He makes the promise and he brings it to pass, and that's interpretation of it. No one has to interpret it. God don't ask no one. The Bible's no private interpretation. Mais Dieu n'a besoin de personne pour lui servir d'interprète. Il est son propre interprète. Il fait la promesse, ensuite il l'accomplit. Et c'est ça qui en est l'interprétation. Personne n'a à l'interpréter. Dieu ne le demande à personne. La Bible ne peut être un objet d'interprétation particulière. Everybody trying to say it means this, that. Let God speak for himself. Amen. He's the one who does. If he made the promise, he stands behind it. Amen. He does to believers. Tout le monde cherche à dire qu'elle veut dire ceci, cela. Laissez Dieu parler pour lui-même. C'est lui qui se charge de l'accomplissement. Il a fait la promesse, il la tient. Il le fait pour les croyants. But unbelievers receive nothing. It's not for them. They're dead to begin with. They never was even represented. There's nothing in them. Dead hollows. You don't want to be like that. Be filled with the Spirit. Mais les incroyants ne reçoivent rien. Ça ne s'adresse pas à eux. Ils sont morts dès le départ. Ils n'ont même jamais été représentés. Il n'y a rien en eux. Ce sont des carcasses mortes. Ce n'est pas ce que vous voulez être. Soyez remplis de l'Esprit. Notice he separated Eve and Adam, and she fell. Adam went with her. Now, Adam was not deceived. Eve was deceived. But Adam, the first Adam, was God's son also. And he went out because of the love of Eve, to try to bring her back, because he loved her. Remarquez, il a séparé Ève et Adam, et elle est tombée. Adam l'a suivie. Or, Adam n'a pas été séduit. Ève, elle, a été séduite. Mais Adam, le premier Adam, lui aussi était le fils de Dieu. Et il a dévié par amour pour Ève, pour essayer de la ramener, parce qu'il l'aimait. Christ did the same thing to redeem her back what to? The Word. Yes. What caused the fall? The Word. Disbelieving the Word. All the Word. Christ a fait la même chose pour la racheter, la ramener. À quoi? À la parole. Qu'est-ce qui a causé la chute? La parole. De n'avoir pas cru la parole, toute la parole. And Christ come that he might become one of us, his life in us, to continue the Word. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us. The same yesterday, today, and forever. Amen. Amen.
Thank God. That's why he came to do that. Et Christ est venu pour pouvoir devenir l'un de nous, sa vie étant en nous, afin de continuer la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même Dieu. Voilà pourquoi il est venu, pour accomplir cela. Now we find in the confirmation, redeem us back to himself. Redeem the wayward children is straight out in these margs and come back to the word again, back to the identified word. Nous voyons alors, par cette confirmation, nous racheter, nous ramener à lui, racheter les enfants rebelles qui ont fait fausse route et se sont retrouvés dans ces morgues. Et ils reviennent à la parole, de nouveau à la parole identifiée. Now them Jews, when Jesus comes, they say, we got the word. We got the word. Here's what Moses said. We're Moses' disciples. Jesus, only 12 years old, is disputing with them. And then when you see the, that's what man does to it. Bon, ces Juifs, quand Jésus est venu, ils pouvaient dire, nous avons la parole, nous avons la parole. Voici ce que Moïse a dit. Nous sommes les disciples de Moïse. Jésus, qui n'était âgé que de 12 ans, discutait avec eux. Et puis quand, voyez ça, c'est bien le comportement de l'homme à l'égard de celle-ci. But Jesus said, if I do not the works of my Father, then don't believe me. Amen. Amen. For the works that the Father has given me to do, they testify who I am. Mais Jésus a dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir rendent témoignage de qui je suis. Amen. Any man, the Son of God, God testifies to the works that he's ordained to do. But doesn't the scripture doesn't back it up? Leave it alone. Qui? Tout homme qui est envoyé de Dieu, Dieu rend témoignage des œuvres qu'il l'a destiné à accomplir. Si ce n'est pas le cas, si l'Écriture ne confirme pas, laissez tomber. Even in the Old Testament, they had a way of knowing whether it was true or not. They took him down, a dreamer or a prophesier, or whatever it was, they took him down to the Urim Thummim. That was a supernatural light. God always is supernatural, works in supernatural. As long as there's a God there, there's supernatural. If it's Jehovah God. Même dans l'Ancien Testament, ils avaient un moyen de savoir si la chose était vraie ou pas. Ils les emmenaient, songeurs ou prophétiseurs, ou qui que ce soit, ils les emmenaient devant l'Urim Thummim. C'était une lumière surnaturelle. Dieu est toujours surnaturel. Il agit dans le surnaturel. Tant qu'il y a là un Dieu, le surnaturel est présent, si c'est le Dieu Jéhovah. And when no matter how well the dream sound, if it didn't reflect upon that Urim Thummim, then it was wrong. Now the old Aaronic priesthood is done away with, but still we've got a Urim Thummim. Et quand, peu importe combien ce songe semblait excellent, si cela ne se reflétait pas sur l'Urim Thummim, alors c'était faux. Maintenant, l'ancien sacerdoce d'Aaron est aboli, mais nous avons toujours un Urim Thummim. This is the revelation of Jesus Christ. Amen. Reveals him in this word. And anything that's contrary to that word is not God. Amen. Contrary to it. But God speaks for himself. He identifies himself with his word. Amen. Ceci, c'est la révélation de Jésus-Christ, révélée par cette parole. Et tout ce qui est contraire à la parole n'est pas Dieu. Ce qui est contraire. Mais Dieu parle pour lui-même. Il s'identifie avec sa parole. That's where Jesus defeated Satan. It is written. And here comes Satan back and flopped in again. He said, yes, it's also written. But that time when he came, he hit a heavy voltage. That time it singed his wings. C'est par cela que Jésus a vaincu Satan. Il est écrit. Et voilà Satan qui revient à la charge. Il vole de nouveau vers lui. Il dit, oui, il est aussi écrit. Mais cette fois, quand il s'est approché, il a reçu une décharge de haut voltage. Cette fois, ça lui a brûlé les ailes. He jumped over there then, he said, it's written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Get thee behind me, Satan! Alors, d'un bond, il a quitté les lieux. Il a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Arrière de moi, Satan! Voyez? Notice what happened. God's always
identified himself by his promised word. Now, them Pharisees that looked right back, Moses said, the Lord your God shall raise up a prophet like it unto me. That was in the scripture. Remarquez ce qui s'est passé. Dieu s'est toujours identifié par sa parole promise. Or, si ces pharisiens s'étaient reportés au passé, Moïse avait dit, « L'Éternel ton Dieu suscitera un prophète comme moi. » C'était dans l'Écriture, ça. But no wonder Jesus thanked the Father, said, I thank thee, Father, thou hast hid this from the eyes of wise and prudent, revealed it to babes such as learn. Mais ce n'est pas étonnant que Jésus ait rendu grâce au Père. Il a dit, je te rends grâce, Père, tu as caché cela aux yeux des sages et des intelligents. Tu l'as révélé aux enfants qui sont disposés à apprendre. When he said to Peter on that day, when he come down and said, who does man say I, the Son of Man, am? One of them said, thou art Elias, one said, you're Moses, and so forth. He said, but that's not the question I asked you. Lorsqu'il a dit à Pierre ce jour-là, comme il revenait, lorsqu'il a dit, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? L'un dit que tu es Élie, l'autre dit que tu es Moïse, et ainsi de suite. Il a dit, mais ce n'est pas la question que je pose, je te le demande à toi. He said, thou art the Christ, the Son of the living God. He said, blessed art thou, Simon, son of Jonas. Flesh and blood never revealed this to you. You never learned it in a seminary. Nobody taught it to you. But it's a revelation. Il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il a dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Tu ne l'as jamais appris dans un séminaire. Personne ne te l'a enseigné. Mais c'est une révélation. Oh my, upon this rock I'll build my church and the gates of hell can't prevail against it. The revelation or the identification of Jesus Christ. He said, if I do not the works of my Father, believe me not. Oh là là, sur ce roc je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne pourront prévaloir contre elle. La révélation ou l'identification de Jésus-Christ. Il a dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Now, let's journey on. We find him now, let's go to the 17th chapter. We find him here in the 17th chapter where he appeared to Abraham after the confirmation of this, showing him what he was going to do. Maintenant, continuons à avancer. Nous le retrouvons, passons maintenant au chapitre 17. Nous le retrouvons là au chapitre 17, où il est apparu à Abraham après cette confirmation qui montrait ce qu'il allait faire. And I remember, the Spirit comes upon, and the Spirit that's in the church, the real church, true church, God's church, God's people, the Spirit that's in them is on, the same Spirit's on Christ with the promise, the works that I do shall you also. Et maintenant, souvenez-vous, l'Esprit vient sur, et l'Esprit qui est dans l'Église, dans la vraie Église, la véritable Église, l'Église de Dieu, le peuple de Dieu, l'Esprit qui est en eux, est sûr, c'est l'Esprit même qui est sur Christ, qui a fait la promesse. Vous ferez, vous aussi, les œuvres que je fais. Remember one time, in the crucifixion, just before, they put a rag around his face and hit him on the head with a reed. Said, now, if you are the Son of God, you're a prophet, they tell me. Prophesy, prophet. They pass the stick. Tell us who hit you. Souvenez-vous, à un certain moment, pendant la crucifixion, juste avant, ils lui ont voilé le visage avec un morceau d'étoffe et lui frappaient la tête avec un roseau, disant, « Maintenant, si tu es le Fils de Dieu, là, on me dit que tu es prophète. Prophétise donc, prophète. » Il se passait le bout de bois de main en main. « Dis-nous qui t'a frappé. » See that devil? See, he said, « I understand that you are a great miracle performer. Turn these stones into bread. Let me see you do it. I'll believe you if you'll do it like that. Turn these stones into bread. I'll believe you'll do it. » Vous voyez ce démon? Voyez? Il a dit, « Il paraît que tu es un grand faiseur de miracles. Change ces pierres en pain. Fais-moi voir ça. Je croirai en toi si tu le fais, comme ça, que tu changes ces pierres en pain. Je croirai. Oui, je croirai. » A man told me not long ago, said, « If you can produce one person that's been healed with a doctor's statement, I said, oh, mercy, man, shut up. » Goodness sakes, I said, I bring doctors to the hundreds. He said, I got $1,000 waiting for you if you do. Un homme m'a dit, il n'y a pas longtemps, il a dit, si vous pouvez me montrer une personne qui a été guérie avec une attestation d'un médecin. J'ai dit, oh miséricorde, taisez-vous donc, de grâce. J'ai dit, je peux faire venir des centaines de médecins. Il a dit, j'ai $1,000 pour vous si vous le faites. And I brought the doctors with the cases. He said, well, the money's, I said, I want that money for a missionary offering.
And he said, send somebody that believes the gospel overseas. Et j'ai fait venir les médecins avec les cas. Il a dit, eh bien, l'argent est à... J'ai dit, je veux cet argent comme offrande missionnaire. Et il a dit, pour envoyer outre-mer quelqu'un qui croit l'évangile. He said, well, let me take a little girl, and me and my brother stand around, and we'll cut her hand, and then you heal it right here before us, and we bleed it. Il a dit, eh bien, je vais emmener une petite fille, et moi et mes frères, nous serons là, et nous lui ferons une coupure à la main. Et ensuite, vous guérissez-la, ici même, devant nous, et nous croirons en vous. I said, you need mental healing. That's exactly a man so possessed with the devil. The same one said, if thou be the Son of God, if thou be, come down off the cross. And the very Bible said he had to hang on the cross. J'ai dit, vous avez besoin d'une guérison mentale. C'est absolument vrai. Un démoniaque pareil. Le même qui avait dit, si tu es le Fils de Dieu, si tu l'es, descends de la croix. Oh, alors que la Bible elle-même déclarait qu'il devait être suspendu à la croix. Caïphe a dit, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Il ne le savait pas, mais c'était là le plus grand compliment qu'on lui ait jamais fait. S'il s'était sauvé lui-même, il n'aurait pas pu sauver les autres. Il fallait qu'il se donne lui-même. Sure, he knew who hit him, but he don't clown for the devil. God's not a clown. He don't clown for the devil. His works are sent to those that believe, not to be clowned by. Bien sûr qu'il savait qui l'avait frappé, mais il ne fait pas le bouffon pour le diable. Dieu n'est pas un bouffon. Il ne fait pas le bouffon pour le diable. Ses œuvres sont envoyées à ceux qui croient, et non pour servir de bouffonnerie. Notice, he appeared to him here when he was 99 years old. And he appeared to him in the name of Almighty God. The name there in the Hebrew is El Shaddai. Remarquez, là, il lui est apparu, lorsque celui-ci était âgé de 99 ans. Il lui est apparu sous le nom de Dieu Tout-Puissant. Ce nom, en hébreu, là, est El Shaddai. Now, God has seven compound redemptive names, we know that. And you cannot separate them from Christ. You can't separate them. Christ met every one of those compound redemptive names. You believe that? Or, Dieu a sept noms composés en rapport avec la rédemption. Nous savons cela. Et on ne peut pas les dissocier de Christ. On ne peut pas les dissocier. Christ a correspondu à chacun d'eux de ces noms composés en rapport avec la rédemption. Vous croyez ça? Amen. You believe in Jehovah Jireh, the Lord's providing sacrifice? Amen. Then what about Jehovah Rapha? The Lord heals all our diseases. Yes. If that wasn't applied to Christ, then he wasn't Jehovah Jireh. So you can't separate it. The whole thing's wound up and there you are. Il, croyez-vous qu'il est Jéhovah Jireh, le sacrifice pourvu par l'Éternel? Et Jéhovah Rapha, alors, l'Éternel guérit toutes tes maladies. Et si ça, ça ne s'appliquait pas à Christ, alors il n'était pas Jéhovah Jireh. Donc, on ne peut pas les dissocier. Tout cela forme un tout. Voilà, c'est ça. He can't be Jehovah Rapha without being Jehovah Jireh, and you can't be Jehovah Jireh without being Jehovah Rapha. He was wounded for our transgressions, with his stripes we were healed. No argument about that. Il ne peut pas être Jéhovah Rapha sans être Jéhovah Jireh. Et il ne peut pas non plus être Jéhovah Jireh sans être Jéhovah Rapha. Il a été blessé pour nos transgressions, et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. C'est incontestable. Now we find here he appears in the name of El Shaddai, the Almighty. The really, the word, the Hebrew word Shad, S-H-A-D, some pronounce it Shade. Shad means breast, like a woman's breast. Donc ici, nous voyons qu'il apparaît sous le nom d'El Shaddai, le Tout-Puissant. En réalité, le mot hébreu Shad, S-H-A-D, certains le prononcent Shod, Shad signifie saint, comme un saint de femme. And he appeared to him in the name of El Shaddai, which is in the plural, breasted. I am the breasted God. Et il lui est apparu sous le nom d'El Shaddai, ce qui est au pluriel. Qui a des saints? Je suis le Dieu qui a des saints. Abraham, 99 years old. Walk before me. Be perfect. Believe my word. Amen.
Just keep on believing. I promised it 75. Here it is. Been 24 years now since I made you the promise. Abraham, tu es âgé de 99 ans. Marche devant ma face. Sois parfait. Crois ma parole. Continue simplement à croire. J'ai promis alors que tu étais âgé de 75 ans. Voilà, il y a maintenant 24 ans que je t'ai fait la promesse. And what a comfort it ought to be till an old man, 99 years old, his strength all gone, and hear God stand before him and said, I'm El Shaddai. I am the breasted God. Amen. Draw your strength from me. I am your strength. Et quel réconfort cela a dû être pour un vieillard de 99 ans. Il n'avait plus de force, et voilà Dieu devant lui qui dit, « Je suis El Shaddai, je suis le Dieu qui a des seins. Amen. Puise en moi ta force, je suis ta force. » Like the New and Old Testament, breasted God. I am the breasted God. Draw your strength from me. Comme le Nouveau et l'Ancien Testament, le Dieu qui a des seins. Je suis le Dieu qui a des seins. Puise en moi ta force. Like a little baby when it's sick. Fretting, sick, weak, it leans upon its mother's breast and nurses his strength back from the mother. In other words, Abraham, you're nothing but a baby to me. 99 years old hasn't been no time his life. Comme un petit bébé lorsqu'il est malade, agité, malade, faible, il s'appuie sur le sein de sa mère et il refait ses forces en se nourrissant au sein de sa mère. Autrement dit, Abraham, pour moi, tu n'es qu'un bébé, âgé de 99 ans, et cet espace de temps n'est rien, sa vie. Just remember, Jesus is crucified like yesterday, 1,000 years on earth. On earth is just one day with God. See, just like he's crucified yesterday. Souvenez-vous, Jésus a été crucifié. C'est comme si c'était arrivé hier. 1000 ans sur terre, ne sont qu'un jour devant Dieu. Voyez, c'est comme s'il avait été crucifié hier. And notice, I am El Shaddai, you are the little weak baby, but lean up on my bosom, my promise, and nurse from me your strength. I'm the creator that hung the heavens and earth, put the stars out down there. Has anything too great for God? Et remarquez, je suis El Shaddai, tu es le petit bébé faible. Mais appuie-toi sur ma poitrine, sur ma promesse, et nourris-toi en puisant en moi ta force. Je suis le Créateur qui a déployé les cieux et la terre, qui a placé les étoiles là-bas. Y a-t-il quelque chose qui soit trop grand pour Dieu? I'm El Shaddai, and you're my child. Though you're weak, and I'm letting you get that way just to see what you'll do about it. I'm going to make an example for people hereafter. Amen. If man will believe my word, I'll stand by it. No matter what it takes, how long, I'll do it. Amen. I'll stand by it. El Shaddai, draw your strength from me. Je suis El Shaddai, et tu es mon enfant, bien que tu sois faible, et je te laisse te retrouver dans cet état. Juste pour voir comment tu réagiras. Je vais présenter un exemple pour les gens qui viendront après, afin que les hommes croient à ma parole. Je m'en tiendrai à celle-ci. Peu importe ce qu'il faut, le temps qu'il faut, je le ferai. Je m'en tiendrai à celle-ci. El Shaddai, puise en moi ta force. Oh, you say, if I can believe, he's still El Shaddai. He's still the breasted God, New and Old Testament. Just draw your strength from it. Well, everything you have need of. Oh, direz-vous, si je pouvais croire, il est encore El Shaddai. Il est encore le Dieu qui a des seins, le Nouveau et l'Ancien Testament. Puisez-y donc votre force. Oh, tout ce dont vous avez besoin. The baby, he's helpless. He has to pull his strength from his mother. That's the only way he can get his strength. That's the only way a believer can get his strength is put from the Word of God. That's his way. God's promises to him. Stand by and believe it. Le bébé, il est sans défense. Il doit tirer sa force de sa mère. C'est le seul moyen pour lui de recevoir sa force. Voilà le seul moyen pour un croyant de recevoir sa force. C'est de la tirer de la parole de Dieu. Voilà sa force.
les promesses que Dieu lui a faites. Tenez-vous-y et croyez-les. Not only is the little baby here represented when it's sick and threatened, the mother can put it to her breast and it goes to nursing its strength back, it's satisfied while it's a nursing. Et le petit bébé n'est pas seulement représenté là lorsqu'il est malade, qu'il est agité, sa mère peut l'appuyer sur son sein. Elle va refaire ses forces en se nourrissant à son sein. Il est satisfait pendant qu'il se nourrit à son sein. That's the way with the real child of God. No matter what the skeptic says, whatever believes, if you truly believe it, Jesus can't lie. Amen. C'est comme ça qu'est le vrai enfant de Dieu. Quoi que dise le sceptique, quoi que celui-ci puisse croire, si vous y croyez réellement, Jésus ne peut pas mentir. You're satisfied that it's revealed to you. You've got the promise and nothing's going to stop it. Amen. Hallelujah. On this rock I build my church. Amen. Spiritual revealed word of truth. Vous êtes satisfait du fait que cela vous a été révélé. Vous savez la promesse et rien ne l'arrêtera. Sur ce roc, je bâtis mon église. Voyez, la parole de vérité révélée spirituellement. While waiting, resting in your faith, take God's promise. I believe you, Lord. Your promise to give me the baptism of the Spirit. I'm resting in your faith. Pendant que vous attendez, que vous vous reposez sur votre foi, attachez-vous à la promesse de Dieu. Je crois en toi, Seigneur. Tu as promis de me donner le baptême de l'Esprit. Je me repose sur la foi. My faith that I have in you, I'm drawing from my resource, for my resource from for my help from your resource, the Word. Avec ma foi que j'ai en toi, je puise à mes ressources, pour mes ressources, pour ma santé, à tes ressources, la parole. A man shall not live by bread alone, but out of the bosom of God shall he nurse his strength. Every word that comes out of the mouth of God shall he receive his strength as he comes from the mouth of God, the Word. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais c'est en se nourrissant au sein de Dieu qu'il puisera sa force. C'est de toute parole qui sort de la bouche de Dieu qu'il recevra sa force, alors que lui, la parole, sort de la bouche de Dieu. Like Abraham. Abraham was resting. Now he lived with Sarah since she was a little girl, is his half-sister. And he was living with her and married her. And she was barren. She had no children. And here she is now. She's already, if he's 90, 99, she's 89. 89 years old. Comme Abraham. Abraham se reposait. Or, il avait vécu avec Sarah depuis l'époque où elle était une jeune fille. C'était sa demi-sœur. Et il vivait avec elle. Il l'avait épousée. Et elle était stérile. Elle était sans enfant. Et la voici maintenant. Elle a déjà, s'il a 90, 99 ans, elle a 89, 89 ans. But Abraham, rest in the faith of my word. I promise you I do it. I'm El Shaddai. I am the breasted God. For my children that believe, if you don't want a nurse, well, then don't say no more about it, you see. But if you are a child, you're nursing, resting every promise. Mais Abraham, repose-toi sur la foi que donne ma parole. Je t'ai promis que je le ferai. Je suis El Shaddai. Je suis, pour mes enfants qui croient, le Dieu qui a des seins. Si vous ne voulez pas vous nourrir à son sein, eh bien, dans ce cas, n'en parlez plus, vous voyez. Mais si vous êtes un enfant, vous vous nourrissez de chaque promesse, vous vous reposez sur chacune d'elles. Notice, real faith rests upon the solid rock of the promise of God's word. It doesn't shift. The real faith is anchored like the North Star. Remarquez, la foi véritable repose sur le roc solide de la promesse de la parole de Dieu. Elle ne bouge pas. La foi véritable est ancrée. Comme l'étoile polaire. The North Star is the tie post to every shipmaster. The compass points him only to that North Star. And God, the Word, is every Christian's North Star. If you're lost. And the Holy Spirit is what points you to it. It won't point to nothing else.
L'étoile polaire est un poteau d'attache pour tout capitaine de navire. Sa boussole ne lui indique que l'étoile polaire. Et Dieu, la parole, est l'étoile polaire de tout chrétien. Si vous êtes égaré, et le Saint-Esprit est celui qui vous dirige vers elle, il ne dirigera vers rien d'autre. All other isms and so forth, and Christianity mixed up in it, whatever it may be, it's like the world shifting and changes those stars, but it can't change the North Star. Amen. Neither can anything change the Word of God. Amen. Anchor to it. Stay with it. Tous les autres ismes et tout et avec lesquels on a mêlé des éléments du christianisme, et quoi encore, c'est comme le monde, il bouge, ce qui entraîne un changement dans les étoiles. Mais il ne peut pas changer l'étoile polaire. De même, rien ne peut changer la parole de Dieu. Ancrez-vous-y, tenez-vous-en à elle. Now, real faith doesn't shift the creeds and man-made doctrines and unbelief. It stays right with the Word, real faith in the Word. And where can you put your faith on anything else but the Word? Donc, la foi véritable ne bouge pas sous l'effet de credo et de doctrine d'homme et de l'incrédulité. Elle s'en tient strictement à la parole, la foi véritable dans la parole. Et où pourriez-vous mettre votre foi? En quoi, sinon dans la parole? If God said it, hold your finger to it, that's true. It doesn't shift. It draws from God's breasted book, the Bible, his attributes, what he promised. Si Dieu l'a dit, gardez votre doigt là-dessus. C'est vrai, elle ne bouge pas. Elle tire du livre de Dieu, du livre qui a des saints, la Bible, ses attributs à lui, ce qu'il a promis. What he promised, that's his word. The word produces itself. It has to be a thought for word, then the word's manifested, and that's where you draw your strength from. Ce qu'il a promis, c'est sa parole. La parole produit ce qu'elle est. Avant d'être une parole, il faut que ce soit une pensée. Ensuite, c'est une parole. Ensuite, la parole est manifestée. Et vous puisez alors en elle votre force. Believing for the Creator, believing like He was the Creator that made the world. The New Testament said back here, as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up. Same purpose. En croyant, car le Créateur, en croyant comme lui, qu'il était le Créateur qui a fait le monde. Dans le Nouveau Testament, il est dit ici, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Le même but. What was it? They were doubting God. And sickness and trouble set in. And he lifted up the serpent for what? For their healing and for their forgiveness. That's what was in brass represents divine judgment, and Jesus was that serpent judged, of course, the brass kind. Qu'est-ce que c'était? Il doutait de Dieu, et la maladie et les ennuis ont surgi. Et il éleva le serpent. Pourquoi? Pour leur guérison et pour leur pardon. Voilà ce que c'était. Et l'airain représente le jugement divin. Jésus était ce serpent qui a subi le jugement. Bien sûr, l'expression de l'airain. Now, well, after he had confirmed the covenant, or the covenant was made manifest to him, it gives faith to the true sons of God. The Word gives faith, the breasted one. It does something to him when the covenant is made manifest. Gives faith to the true sons of God. Donc, après qu'il lui a confirmé l'alliance, ou que l'alliance lui a été manifestée, c'est ce qui donne la foi au véritable Fils de Dieu. La parole donne la foi. Celui qui a des saints, cela produit un effet sur eux. Lorsque la parole ou lorsque l'alliance est manifestée, c'est ce qui donne la foi au véritable Fils de Dieu. Now, we realize that in this he was called Elohim. The word also in the translation here means Elohim. Just look it up. Be sure. Elohim. Or nous savons, nous constatons qu'ici, il a été appelé Elohim. Le mot qui est employé dans la traduction ici signifie aussi Elohim. Je viens de le vérifier pour m'en assurer. Elohim. And Elohim is the all-sufficient one. He's El Shaddai Elohim. The breasted God, the all-sufficient one.
He needs nothing from nobody else. He's your all-sufficiency. Et Elohim, c'est celui qui est entièrement suffisant. Il est El Shaddai, Elohim, le Dieu qui a des seins, celui qui est entièrement suffisant. Il n'a pas besoin de recevoir quoi que ce soit de qui que ce soit. Il est celui qui vous suffit entièrement. Notice, the same is testified here as noticing this afternoon while studying in Job. Job is called Elohim. And Job was ridiculed, made fun of. How about our picture today? But Job was resting in Elohim's promise. Amen. Remarquez, la même chose est attestée ici. C'est ce que j'ai remarqué cet après-midi pendant que j'étudiais. Dans Job, il est appelé Elohim. Et Job, on l'a ridiculisé, on s'est moqué de lui. Oh, comme cela correspond à notre tableau d'aujourd'hui. Mais Job se reposait sur la promesse d'Elohim. Though after the skin worms destroys this body, yet in my flesh shall I see God, whom I shall see for myself, resting in Elohim. Même après que les vers de ma peau auront détruit ce corps, de ma chair je verrai Dieu, moi-même je le verrai. Il se reposait en Elohim. No matter what comes, his wife comes, said, you look miserable, Job. And here come his comforters around. Ah, you see what happened to you, old boy. I told you you were wrong all the time. See what happened? A lot of people like to throw off on people like that. Quoi qu'il arrive, sa femme s'amène. Elle dit, « Tu as l'air misérable, Job. » Et voici ses consolateurs qui arrivent. « Oh, tu vois ce qui t'est arrivé, mon vieux? Je te le dis depuis le début, que tu as tort. Tu vois ce qui est arrivé? Bien des gens aiment jeter la pierre aux gens comme ça. Job was the best man of his day. Amen. The best man God had on earth was Job. He told Satan, there's none like him. Amen. Glory. Have you considered him? Satan said, yes, everything comes easy for him. Break that hedge and let me have him. I'll make him curse you to your face. He'd done everything he could, but he couldn't. Job rested in that promise. Job était le meilleur homme de son époque. Le meilleur homme que Dieu avait sur la terre, c'était Job. Il a dit à Satan, « Il n'y a personne comme lui. Amen. » L'as-tu remarqué? Satan a dit, « Oui, il a la vie facile. Brise cette haie de protection et livre-le-moi. Je l'amènerai à te maudire en face. » Il a fait tout ce qu'il a pu, mais il n'a pas réussi. Job se reposait sur cette promesse. The guys come out and say, now where's all that God you was talking about? Look what you believe in me. This look what's going on now. But he's still rested in El Shaddai. Amen. Les copains sont venus. Ils ont dit, bon, maintenant, il est où ce Dieu dont tu parlais tant? Ah, regarde donc, toi qui crois qu'il est ceci, regarde ce qui arrive maintenant. Mais il se reposait toujours en El Shaddai. Even no matter if his boils is breaking him out and his life is as good as gone, he's sitting on an ash heap scraping his boils. His wife said, won't you curse God and die? He said, thou speakest like a foolish woman. Yes. Oh my, the Lord gave and the Lord taken away. Blessed be the name of the Lord. I trust in Elohim. Même s'il était couvert d'ulcères et que sa vie ne tenait plus qu'à un fil, il était assis sur un tas de cendres, grattant ses ulcères. Sa femme a dit, pourquoi ne pas maudire Dieu et mourir? Il a dit, tu parles comme une femme insensée. Oh là là, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Je me confie en Elohim. Though he destroys this body, the skin worms eat it up, yet in my flesh shall I see God, whom I shall see for myself, mine eye shall behold and not another. Même s'il détruisait ce corps, si les vers de ma peau le dévoraient, de ma chair je verrai Dieu, moi-même je le verrai. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. He came forth in Matthew 27, when the saints rose, come out, went in. Very, entered into the city, very type of the day, yet waiting, trusting in the promise. Il est sorti dans Matthieu 27, lorsque les saints sont ressuscités. Il est sorti, et il est entré, mais... est entré dans la ville. Très précisément, le type d'aujourd'hui, il attendait toujours, confiant dans la promesse.
Notice, after he appeared in this name, the name of Almighty God. Now, church, we may get just a little bit of doctrine here. Might be a little twisting to you. Don't believe it? That's up to you. We're just sure I'm just going to speak what I think. You got a right to think what you want to think. Remarquez, après qu'il est apparu sous ce nom, le nom de Dieu Tout-Puissant. Maintenant, Église, maintenant nous allons peut-être introduire ici un peu de doctrine. Il se pourrait que vous trouviez ça un peu compliqué. Si vous ne le croyez pas, libre à vous. Nous sommes ici, voilà. Je vais simplement exprimer ce que moi je pense. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez. But notice, but all these things were types, shadows, and examples, as the Bible said they were. They're all there. And this is God's dealing with Abraham in the journey, just like he'll deal with Abraham's royal seed in the journey. Mais remarquez, mais toutes ces choses étaient des types, des ombres et des exemples, comme le dit la Bible. C'est ce que sont toutes ces choses. Et ici, c'est Dieu qui traite avec Abraham pendant son voyage, exactement comme il traitera avec la postérité royale d'Abraham pendant son voyage. Notice, he deals with the Jews the same way. It all started in there, in that promise of the covenant, all nations, all peoples. Remarquez, il traite avec les Juifs de la même manière. C'est là que tout cela a commencé, dans cette promesse de l'Alliance. Toutes les nations, tous les peuples. Notice, after the appearing in this name of Almighty God, and it was revealed to him that he was the all-sufficient one. He had no helpers. He didn't need any secretaries. He was alone God. He was God alone. Remarquez, après cette apparition sous le nom de Dieu Tout-Puissant, et il lui était révélé qu'il était celui qui est entièrement suffisant. Il n'avait pas d'assistant, il n'en avait pas besoin de secrétaire. Il était lui seul Dieu. Il était Dieu lui seul. And he appeared to Abraham in this name, and while he appeared to him in this name, and Abraham recognized who he was, he changed Abraham's name. Il est apparu à Abraham sous ce nom-là, et pendant qu'il lui est apparu sous ce nom-là, et qu'Abraham a reconnu qui il était, il a changé le nom d'Abraham. Now, he's come to the fullness of believing now. See where the church has come? I hope you can read between the lines. Maintenant, le voilà parvenu à la plénitude de la foi. Vous voyez à quoi est parvenue l'Église? J'espère que vous pouvez lire entre les lignes. Come up to the place to where he revealed to him who he was, and then he changed Abraham's name so that the promise could be fulfilled. Now you say there's nothing in a name, then why did he change Abraham's name from Abram to Abraham? Parvenu au point où il lui a révélé qui il était, et là, il a changé le nom d'Abraham pour que la promesse puisse s'accomplir. Bon, vous dites, un nom, ce n'est rien. Alors pourquoi a-t-il changé le nom d'Abraham, d'Abraham à Abraham? Why did he change Jacob's name from Jacob's supplanter to Israel, prince with God? Why did he change Saul's name to Paul? Sure, his name certainly does mean something. Certainly does. If you're not named right, God will change it. If he's called you. Yes, sir. Pourquoi a-t-il changé le nom de Jacob supplanteur, à Israël, prince avec Dieu? Pourquoi a-t-il changé le nom de Saul en celui de Paul? Mais certainement, son nom, bien sûr que ça signifie quelque chose, bien sûr que oui. Si vous n'avez pas reçu le bon nom, Dieu le changera s'il vous a appelé. Oui, monsieur. Notice, he changed his name here now from Abram to Abraham, which means father of nations, added the H-A-M, Abraham. So he did this so that the complete promise could be fulfilled. Remarquez, maintenant il a changé son nom ici, d'Abraham à Abraham, qui signifie « père de nations ». Il a ajouté le H-A-M, Abraham. Donc, il a fait ça pour que la promesse complète puisse s'accomplir. And the son now that had been promised so long could be seen. Yes. Or otherwise be revealed. Amen. When he changed his name and after he recognized who he was. Et maintenant le fils, qui avait été promis depuis si longtemps, allait pouvoir être vu,
ou, autrement dit, être révélé, une fois qu'il avait changé son nom, et après que celui-ci avait reconnu qui il était. He might have been, might have thought this was a party of him, but he recognized that he was Elohim. God alone. Peut-être qu'il avait été, qu'il avait cru qu'ils étaient un groupe, mais il a reconnu qu'il était Elohim, le seul Dieu. But when he did that, then he changed his name. He said, "Now Abraham, you're no more to be called Abram, but Abraham. For a father of nations, I've made you." Mais alors, lorsqu'il l'a fait, il a changé son nom. Il a dit, "Maintenant, Abraham, on ne t'appellera plus Abraham, mais Abraham, car je t'ai établi père de nations." Abraham, now he's in condition now. He is in condition after the revelation of who he is. He's now in condition to see the Son revealed. The Son's ready to come, to be revealed. Abraham, maintenant le voilà en état. Le voilà en état. Après la révélation de qui il est, le voilà maintenant en état de voir le Fils se révéler. Le Fils est sur le point de venir, de se révéler. Oh, children of Abraham. Notice he changed his messenger's name. Right at the end time, just before I was 99, it's 1 year left. And he changed his name from Abram to Abraham. Changing his name, added the H-A-M, which means father. He was to be a father. A father of a promise. Father promise. Oh, enfant d'Abraham! Remarquez, il a changé le nom de son messager, juste là, au temps de la fin. Juste quand il avait 99 ans, qu'il ne restait plus qu'un an, il a changé son nom, d'Abraham à Abraham. Il a changé son nom, a ajouté le H-A-M, qui signifie père. Il devait être père, père d'une promesse, père, promesse. Oh! If you've got spiritual discernment, listen, after the revelation of his name, or who he was, he changed his name. Now, after the revelation, now he struck the earth. There's not a company of gods. There's one. Now, it's time for the revelation for the Son that's been promised to be revealed to Abraham's royal seed. Now the promise. Oh, si vous avez du discernement spirituel, écoutez. Après la révélation de son nom, de qui il était, il a changé son nom. Maintenant, après la révélation, il a maintenant visité la terre. Il n'y a pas un groupe de Dieu, il y en a un seul. C'est maintenant le moment de la révélation où le Fils qui a été promis doit se révéler à la postérité royale d'Abraham, à qui s'adresse la promesse. Look, he changed it from Wesley, Baptist, Presbyterian, Pentecostal. Amen. I don't know whether to say this or not. You don't have to believe it. But I hope you forgive me if I don't want to hurt you. Regardez, il a changé cela. De Wesley, baptiste, presbytérien, pentecôtiste. Je ne sais pas si je dois dire ceci ou pas. Vous n'êtes pas obligé de le croire. Mais j'espère que vous me pardonnerez, car je ne veux pas vous blesser. But look, there has never been a messenger to the churches of God throughout all the entire history of time that ever had a leader since the Reformation. Like the leader we got today, Billy Graham. Right? Because he's went to all the world. See? Mais regardez, tout au long de l'histoire, de tous les temps, jamais les églises de Dieu n'ont eu un messager, jamais elles n'ont eu, depuis les réformes, un conducteur comme le conducteur que nous avons aujourd'hui, Billy Graham. C'est vrai, parce que lui, il est allé par tout le monde. Voyez? And notice, never have we had a man. Any reformer, we take Sankey, Moody, Finney, Calvin, Knox, whoever it might be, Wesley, Luther, there hasn't been a one with the name ending H-A-M before. Right.
Et remarquez, jamais nous n'avons eu un homme, aucun réformateur. Prenons Sankey, Moody, Finney, Calvin, Knox, qui que ce soit, Wesley, Luther. Il n'y en avait encore jamais eu un seul dont le nom se soit terminé en H-A-M. The only messenger we've ever had in the church ages with the ending name of H-A-M. G-R-A-H-A-M, Graham. And Graham is six letters. And six is man's number. Man's day. Le seul messager que nous ayons jamais eu au cours des âges de l'Église, dont le nom se soit terminé en H-A-M. G-R-A-H-A-M. Graham. Graham, c'est six lettres. Et six est le nombre de l'homme, le jour de l'homme. Man was created in Genesis 1:26 on the sixth day. But seven is God's number. Amen. Seventh day, God rested. Not six, showing this G-R-A-H-A-M would be to the church that's in the world. But A-B-R-A-H-A-M, Abraham, is seven letters. L'homme a été créé dans Genèse 1:26, le sixième jour. Par contre, sept est le nombre de Dieu. Le septième jour, Dieu s'est reposé. Non pas six, montrant ainsi que celui-là, G-R-A-H-A-M, serait celui de l'Église qui est dans le monde. Par contre, A-B-R-A-H-A-M, Abraham, c'est sept lettres. Say it's not the numbers, then you don't know the pneumatics of your Bible. You're sure to get it wrong now. Certainly. Vous dites, les nombres, ce n'est rien. Dans ce cas, vous ne connaissez pas le sens des nombres de votre Bible, voyez. Alors, vous allez la comprendre de travers, à coup sûr, certainement. God's perfected in threes, worshipped in sevens, and tempted in forties, and jubilee in fifties, oh, whatever you want to do, all the Bible runs in mathematics. En Dieu, la perfection se fait en trois. L'adoration se fait en sept. La tentation se fait en quarante. Les jubilés se font en cinquante. Oh, quoi que vous vouliez faire, toutes ces mathématiques, la Bible s'enchaîne d'une façon mathématique. Notice, the sixth is a messenger to be sent to the world. And notice, seventh is God's number. And notice, at this time of the appearing now, of the revealing of the Son, when it's going to be revealed, the Son, they don't already recognize His name. Note who He was. He's El Shaddai, the Almighty, Elohim. Remarquez, le sixième est un messager envoyé au monde. Et remarquez, le septième, voilà le nombre de Dieu. Et remarquez, à ce moment de l'apparition, maintenant, ou de la révélation du Fils, lorsque il va se révéler, le Fils, ils ont déjà reconnu son nom, ils ont reconnu qui il est. Il est El Shaddai, le Tout-Puissant, Elohim. But now we come down to the time of the promised Son is to reveal Himself. Amen. The Son, Isaac himself, has been promised, is ready to come on the scene. And He couldn't do it until He sent and changed His name from Abram to Abraham because of father of nations He was. Amen. Mais nous voici maintenant au moment où le Fils promis doit se révéler. Le Fils, Isaac lui-même, celui qui était promis, est sur le point d'arriver. Et il ne pouvait pas le faire avant qu'il ait envoyé, qu'il ait changé son nom d'Abraham à Abraham, parce qu'il était père de nations. Notice. Ham, H-A-M, father, father of nations. Look how fitting that is with Malachi 4. Restore the faith back to the fathers. Abraham's seed be restored back to the kind of faith that Father Abraham had, his royal seed. Remarquez, Ham, H-A-M, père, père de nations. Regardez comme cela correspond bien à Malachie 4. Ramènera la foi à celle des pères. La postérité d'Abraham doit être ramenée à la sorte de foi qu'avait notre père Abraham. Sa postérité royale. Malachi 4 to be fulfilled is to restore back
the faith that was once back there in the beginning, restored back to the royal seed of Abraham. Yeah. It's a promise. It's exactly the promise. Malachie 4 qui doit s'accomplir afin de ramener la foi qui existait là-bas au commencement, la restituer à la postérité royale d'Abraham. C'est une promesse. C'est exactement la promesse. The royal seed is to be revealed. And by the royal seed, which is the royal seed of Christ. Christ is the royal seed. La postérité royale doit se révéler et par la postérité royale, c'est-à-dire la postérité royale qui est Christ. Christ est la postérité royale. And the seed is the Holy Spirit that's in the hearts of the people that believe in God, that hold His Word, and God working through them, carrying the same message. Et la postérité, c'est le Saint-Esprit qui est dans le cœur des gens qui croient en Dieu, qui portent sa parole, et Dieu agit en eux, porteurs du même message. A little while the world seeth me no more, yet ye shall see me, I'll be with you even in the works that I do, you'll do also. See? Revealing it in the last days, your house is supposed to come. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Je serai avec vous et même en vous. Et vous ferez, vous aussi, les œuvres que je fais. Vous voyez, il le révèle maintenant, en ces derniers jours. Comment cela doit venir? Watch, the 18th chapter now. Immediately after the changed name, God appears to reveal himself in flesh. After the name's made known. Who he is. God appears in flesh. Maintenant, regardez bien le chapitre 18, là. Immédiatement après le changement de nom, Dieu apparaît pour se révéler en chair. Après qu'il a fait connaître le nom, qui il est, Dieu apparaît en chair. Abraham, one hot day, just a few weeks or months before Sodom was burned and Isaac come on the scene. And notice, Abraham is sitting out under his oak, and Lot is down in Sodom, and they're enjoying the pleasures of the world. Abraham, par une journée chaude, seulement quelques semaines ou quelques mois avant que Sodome soit brûlé et qu'Isaac arrive. Et remarquez, Abraham est assis sous son chêne, et Lot est là-bas, à Sodome, où ils jouissent des plaisirs du monde. Yet he is Pastor Lot, was probably had him a nice little congregation down there. Whatever he did, the Bible said the wickedness and sins of the time vexed his righteous soul. Pourtant, il est le pasteur Lot. Il avait probablement une belle petite assemblée là-bas. Quelles qu'aient été ses activités, la Bible dit, la méchanceté et les péchés de son époque attristaient profondément son âme juste. So he must have had like a lot of modern lots today. But he knew he couldn't say nothing about it. Il devait donc avoir là la même chose que ce qu'ont bon nombre des lots modernes d'aujourd'hui. Mais il savait qu'il ne pouvait rien dire à ce sujet. So then, notice, there he was. But Abraham, after he had been revealed to him, now Elohim, was who he'd been talking to him, now he's sitting under the oak, and here comes three men, walking like human beings. Et donc, remarquez, voilà où il en était. Mais Abraham, après qu'il s'était maintenant révélé à lui, Elohim, celui qui lui avait parlé, maintenant il est assis sous un chêne, et voici trois hommes qui arrivent, à pied, comme des êtres humains. Watch the effect of the revelation of who God was had upon Abraham. What it did to him. After his name was changed from Abram to Abraham, he seen three men coming, and he called the three one. Yes. My Lord, amen. Three of them being one. Regardez bien quel effet a produit sur Abraham cette révélation de qui Dieu est, l'effet qu'elle a eu sur lui. Après que son nom avait été changé d'Abraham à Abraham, il a vu venir trois hommes, et les trois, il les a appelés un. Mon Seigneur. Les trois qui sont un. Not so with number six Lot. He seen two come in and he said, my lords. Yes. Abraham's vision and revelation showed him that he was the all-sufficient Elohim. Amen.
His seeds to receive the same thing. Cela n'a pas été le cas de Lot, le nombre 6. Lui, il en a vu venir deux et il a dit « Mais Seigneur ». La vision et la révélation qu'avait eue Abraham lui avaient montré qu'il est Elohim, celui qui est entièrement suffisant. Sa postérité doit recevoir la même chose. Notice how he revealed himself, how he made himself known whether he was right or not. Notice to the true believing what sign he did. What did it happen to make him know that that was Elohim? Remarquez comment il s'est révélé, comment il s'est fait connaître, lui a fait savoir s'il avait raison ou pas. Remarquez, pour celui qui croyait réellement, quel signe il a produit. Qu'est-ce qu'il a fait se produire pour lui faire reconnaître que c'était là Elohim? Now he said, my Lord, it's capital L-O-R-D, any scholar. You know it. Any scholar knows that's Elohim, the all-sufficient one. Elohim. Donc il a dit, mon Seigneur. C'est S majuscule E-I-G-N-E-U-R. N'importe quel érudit, vous le savez, n'importe quel érudit le sait, que ça, c'est Elohim, celui qui est entièrement suffisant. Elohim. A man said to me one time, you don't believe that was God. I said, I sure do. Abraham said it was God. He talked to him, he should know. Amen. Un homme m'a dit une fois, vous ne croyez pas que c'était Dieu. J'ai dit, bien sûr que je le crois. Abraham a dit que c'était Dieu. Il lui a parlé. Il était bien placé pour le savoir. Oui. Oh, he said, you mean God stand there eating that flesh of that calf and drinking the milk from the cow and eating cornbread or what you want to call it there? I said, he did it. Oh, il a dit, vous voulez dire que Dieu se serait tenu là, mangeant la chair de ce veau et buvant du lait de la vache et mangeant du pain de maïs, ou le nom que vous voudrez donner à ça? J'ai dit, c'est ce qu'il a fait. Why, you just don't know our God. Well, Mike, he just reached over. We're made out of 16 elements, petroleum, cosmic light, and potash, and calcium, and so forth, just 16 elements. He just caught it together, breathed into it, and walked down in the earth. Mais vous ne connaissez tout simplement pas notre Dieu. Oh, eh bien, il n'a eu qu'à, voyons, il a simplement tendu le bras. Nous sommes composés de 16 éléments, de pétrole, de lumière cosmique, de potasse, de calcium, et ainsi de suite. Juste 16 éléments. Il a simplement rassemblé cela, a soufflé dedans et est descendu sur terre. I'm so glad he's that sort of a father. Though the skin worms destroys this body, yet he'll call you. He promised to do it. He's Elohim. Je suis si heureux qu'il soit ce genre de père-là. Même si les vers de votre peau détruisent ce corps, il vous appellera. Il a promis qu'il le ferait. Il est Elohim. Jerked another handful and said, come here, woodworm or whatever it was, the angels, and come down, let's go down and look at Sodom and see what's going on. Il en a ramassé une autre poignée et il a dit, viens, absinthe, ou ceux qui étaient là, les anges, descends, descendons regarder Sodome, voir ce qui se passe. And Abraham, after the revelation, he seen it and he knowed that there was one God. Amen. And he seen it and he said, my Lord, come aside, sit down, let me wash your feet. Et Abraham, après avoir eu la révélation, là, il voyait, et il savait qu'il y avait un seul Dieu. Il voyait, il a dit, mon Seigneur, viens par ici, assieds-toi, permets-moi de te laver les pieds. Now, I never said, Lord, and watch, it's in the capital there. Anyone knows it. I got the emphatic diglot. See, it's capital L-O-R-D. Lord, Elohim, the all-sufficient one. Or, il n'a jamais dit, Seigneur. Et regardez, c'est avec la majuscule là. Tout le monde sait ça. J'ai le emphatique diglot. Voyez, c'est S majuscule E-I-G-N-E-U-R. Seigneur, Elohim, celui qui est entièrement suffisant. Said, let me fetch a little water and wash your feet and give you a morsel of bread, then you go on your way. Il a dit, permets que j'apporte un peu d'eau pour te laver les pieds et que je te donne un morceau de pain. Après quoi, tu pourras continuer ta route. Say, I'm getting too late here. I better hurry. Go ahead. I want to get over here now. I don't want to be able to. Just bear with me just a little bit longer, will you? Hey, je prends trop de retard là. Je ferais mieux de me dépêcher. Je veux en venir à quelque chose ici. Et je ne sais pas quand je vais pouvoir le faire. Supportez-moi encore un tout petit peu, d'accord? Notice,
Elohim, the all-sufficient one, God. And he said, watch what he did. Now, two of them, they kept looking down towards Sodom. And he said, think I'll keep this a secret from Abraham? He does nothing until he reveals it to his prophets. Amen. He makes them know it. Remarquez, Elohim, celui qui est entièrement suffisant, Dieu. Et il a dit, regardez bien ce qu'il a fait. Or, deux d'entre eux ont commencé à... Ils regardaient constamment du côté de Sodome. Et il a dit, pensez-vous que je vais cacher cela à Abraham? Il ne fait rien avant de l'avoir révélé à ses prophètes. Voyez, il le leur fait connaître. And he said, I want to go keep this seed. He's blessed of God, and he's going to inherit the earth, and so forth. His seed's going to be otherwise going to be the father of many nations. I won't keep it from him. I'm going to let him know. And so he said, begin to reveal to him. Et il a dit, je ne vais pas cacher cela, puisqu'il est béni de Dieu et qu'il va hériter la terre et tout. Sa postérité sera, autrement dit, il sera père d'un grand nombre de nations. Je ne vais pas lui cacher cela, je vais le lui faire connaître. Et alors il a dit, il a commencé à le lui révéler. And he said, Abraham, not Abram, Abraham. Where is thy wife? S-A-R-A-H. Amen. How did he know that? Well, just a day before that, he was Abram. A day or two before that, she was Sarah. And now she's Sarah. And he's Abraham. Et il a dit, Abraham, non pas Abraham. Abraham, où est ta femme? S-A-R-A. Comment savait-il cela? Eh bien, juste un jour plus tôt, il était Abraham. Un jour ou deux plus tôt. Elle, c'était Sarai, et maintenant c'est Sarah, et lui c'est Abraham. Said Abraham, where is your wife Sarah? Abraham said, she's in the tent behind you. He said, I'm going to visit you according to the time of life. And this son that's been promised is ready to come on the scene now. You're going to have it. Il a dit, Abraham, où est ta femme Sarah? Abraham a dit, elle est dans la tente, derrière toi. Il a dit, je vais te visiter à la période de la vie. Et ce fils qui t'a été promis, il est maintenant sur le point d'arriver. Tu vas la voir. And Sarah, to herself, kind of laughs at me being old and have pleasure with my Lord again, him old, something like that. So, of course, she's 90 and he was 100. And so now, could I do that again? Et Sarah, en elle-même, elle a un peu ri. Elle s'est dit, moi qui suis vieille, j'aurais encore du plaisir avec mon Seigneur, et lui aussi est vieux. Quelque chose comme ça, donc, parce qu'elle avait 90 ans, et lui en avait 100. Et alors, maintenant, est-ce que je pourrais encore faire ça? And the angel, messenger, God in human flesh, said, why did she laugh? That was a confirmation. Et l'ange, le messager, Dieu dans une chair humaine, a dit, pourquoi a-t-elle ri? C'était une confirmation. Why? Showed the revelation was right. Showed that what he had called him Elohim was right. Because he was the Word. Amen. Pourquoi? Cela montrait que la révélation était juste. Cela montrait que le nom qu'il lui avait donné, Elohim, était juste. Parce qu'il était la parole. That was in Hebrews, the 4th chapter, the 12th verse, said the word of God is sharper than a two-edged sword and discerns the thoughts and intents of the heart. C'était là, dans Hébreux, chapitre 4, verset 12, il est dit, la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle discerne les pensées et les intentions du cœur. And when Abraham seen this, he was sure that he could call him Elohim. Amen. Elohim, he was the Word. Same yesterday, today, and forever. Et quand Abraham a vu cela, là il était sûr qu'il pouvait l'appeler Elohim. Elohim, il était la parole, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Notice, when Jesus, the royal seed of Abraham, come on the scene, he revealed himself to the natural seed of Abraham in the same sign. Amen. Amen. And they called him Beelzebub.
Remarquez, quand Jésus, la postérité royale d'Abraham, est arrivé, il s'est révélé à la postérité naturelle d'Abraham par le même signe, et ils l'ont appelé Belzébul. It blinded him. The unbelievers blinded him and caused him to blaspheme him and sent them to hell. But it gave eternal sight to the believers. That was ordained to eternal life. Cela les a aveuglés. Les incroyants, cela les a aveuglés et les a amenés à blasphémer et les a expédiés en enfer. Mais cela a donné la vue éternelle aux croyants qui étaient destinés à la vie éternelle. Notice, Jesus promised that in the last days, just before the coming of the Son of Man, that he would come and reveal himself when the days that the Son of Man is being revealed, the royal seed of Abraham would see the same sign. Remarquez, Jésus a promis que, dans les derniers jours, juste avant l'avènement du Fils de l'homme, qu'il viendrait se révéler, au jour où le Fils de l'homme serait révélé. La postérité royale d'Abraham verrait le même signe. Now notice, when he said that at St. Luke 17, 28 and 30. And as it was in the days of Sodom. Now Jesus said this. I'm not responsible for it. I'm responsible for telling it, saying what he said. Maintenant remarquez, le moment où il a dit ça, là, c'est Luc 17, 28 et 30. Et ce qui arriva au jour de Sodome. Or, c'est Jésus qui a dit ceci. Je n'en suis pas responsable. Je suis responsable d'en parler, de dire ce qu'il a dit. But Jesus said this. As it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming, at the coming of the Son of Man. Now notice, in the days that the Son of Man is being revealed. When the Son of Man is being revealed to his church. Mais c'est Jésus qui a dit ceci. Ce qui arriva au jour de Sodome arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Maintenant, remarquez, au jour où le Fils de l'homme se révélera, lorsque le Fils de l'homme se révélera à son Église. Like to Abraham, he was God, he kept coming on down, confirmed the covenant, recognized who he was. And his name changed. Notice, it changed just before he got on the hill looking over Sodom. Just before the promised son came on. Comme à Abraham, c'était Dieu qui se dévoilait petit à petit. Il a confirmé l'alliance. Il a reconnu qui il était. Puis, il a eu un changement de nom. Remarquez ce changement. Il l'a eu juste avant qu'il aille sur la colline, qu'il regarde vers Sodome. Juste avant qu'arrive le Fils promis. Jesus said the same picture. Jesus is reading the same Bible that I'm reading and you're reading. If you want to know what it was, go back and see what they were doing in the days of Sodom. Jésus a dit qu'on aurait le même tableau. Jésus lisait la même Bible que moi, je lis, que vous lisez. Si vous voulez savoir ce que c'était, retournez voir ce que les gens faisaient au jour de Sodome. Notice, not so much in the days of Noah, he told their immorals, how they're eating, drinking, marrying, giving in marriage, but in Sodom. Remarquez, non pas tant au jour de Noé. Il a parlé de leur immoralité, du fait qu'ils mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, mais à Sodome. Now there's no more water. God promised that by the rainbow sign. He gives us a sign. He always gives signs. He never remembers his signs. Always loyal to it through the years. Never fails to give that rainbow sign. He always gives his signs. Maintenant, ce ne sera plus l'eau. Ça, Dieu l'a promis par le signe de l'arc-en-ciel. Il nous a donné un signe. Il donne toujours des signes. L'arc-en-ciel, il se souvient toujours de ses signes. Il y reste toujours fidèle au fil des ans. Il ne manque jamais de donner ce signe de l'arc-en-ciel. Il donne toujours ses signes. Notice, and in that sign, he promised not to destroy the world no more with water, but he did say it would burn. Yes. And notice Jesus here saying, as it was in the days of Sodom, the Gentile world was going to be destroyed. Remarquez, et par ce signe, il a promis que ce ne serait plus par l'eau qu'il détruirait le monde. Mais par contre, il a dit que celui-ci allait brûler. Et remarquez, Jésus dit ici,
ce qui arriva au jour de Sodome, le monde des nations allait être détruit. Sodomites. Now look at the morals of the nations. Look at the morals of the church. It's like Lot. And look what's down among them. A man, G-R-A-H-A-M. A blasting them away, them politicians. To the church, natural. Now, on the church, spiritual. There's always three classes of people. That's believers, unbelievers, and make-believers. They haven't ever cried. Des sodomites. Maintenant, regardez les mœurs des nations. Regardez les mœurs de l'Église, exactement comme Lot. Regardez ce qu'ils ont au milieu d'eux. Un homme, G-R-A-H-A-M, qui critique violemment ses politiciens, qui s'adresse à l'Église naturelle. Maintenant, pour ce qui est de l'Église spirituelle, il y a toujours trois catégories de gens. Ce sont les croyants, les incroyants et les soi-disant croyants. On les retrouve dans chaque groupe de gens. If you felt the pressure I did, you know he's right here tonight. So you all three. Notice, there you are. There's always them three classes everywhere. Si vous sentiez la pression que je sens en ce moment, vous sauriez qu'ils sont ici même ce soir. Et donc vous et tous les trois, remarquez, voilà, c'est ça. Il y a toujours ces trois catégories partout. Now, if you will see that it was to be the same thing when the Son of Man was to be revealed to the royal seed of Abraham through Christ. Christ is a royal seed when he's being revealed in the last days. Maintenant, si vous pouvez le voir, il devait arriver la même chose lorsque le Fils de l'homme se révélerait à la postérité royale d'Abraham, par Christ. Christ est la postérité royale, alors qu'il se révèle dans les derniers jours. Now, positionally, the world is setting exactly because the sun that rose in the east sets in the west, and it was a dismal day, made organizations, denominations, but it shall be light in the evening time, said the prophet Jeremiah. Maintenant, le monde se trouve exactement dans cette situation-là. En effet, le Fils qui s'est levé à l'est se couche à l'ouest. Et il y a eu un jour sombre. On a formé des organisations, des dénominations. Mais vers le soir, la lumière paraîtra, a dit le prophète Jérémie. Now, and in the days when that sun it comes out behind the clouds of denomination to reveal himself, he said the world would be setting just like it was in the days of Sodom. Yes. And the Son of Man would reveal himself again to his people. Donc, et au jour où ce Fils sortira de derrière les nuages de la dénomination pour se révéler, il a dit que le monde serait exactement dans la même situation qu'au jour de Sodome, et que le Fils de l'homme se révélerait de nouveau à son peuple. Look how I reveal it to Isaac's seed. Look how I go to reveal it to the royal seed. The bride. Royal, the queen. The queen is the royal seed. Amen. Regardez comment il a révélé cela à la postérité d'Isaac. Regardez comment il va révéler cela à la postérité royale, à l'épouse royale, la reine. La reine est la postérité royale. As God brought a nation out of a nation in Egypt, he's bringing a church out of a church, or a bride out of a church. Church out of church. De même que Dieu a fait sortir une nation d'une nation, en Égypte. De même, il fait sortir une église d'une église ou une épouse d'une église. Une église sortie d'une église. And the remnant of the woman's seed, that's what's left over. There's weeping and howling and gnashing of teeth. Of course, they didn't have oil in their lamps. Holy Spirit, always represented. There they are. Et pour le reste de la postérité de la femme, ça, c'est ceux qui sont restés. Il y a des pleurs, des hurlements et des grincements de dents. Parce qu'ils n'avaient pas d'huile dans leur lampe, le Saint-Esprit, toujours représenté ainsi. Les voilà. The position is setting right. And now, look up on the hill. Now, the church, Abraham, Lot, Sodomites. The world, the church, the elect. The church, the bride out of the church. We're setting positionally right. The world is just in the right swing to it. La situation concorde très bien.
Et maintenant, regardez là-haut, sur la colline. Donc, l'Église, Abraham, Lot, les sodomites, le monde, l'Église, les élus, l'Église, l'épouse qui est sortie de l'Église. Notre situation correspond bien à ce qui était prévu. Le monde s'est engagé à fond là-dedans. Perversion, everything's perverted. That's, I tell you, everything's hybrid. They, I come down and see a big sign that hybrid corn. What's no good? No, that ought to make you atheist jump. La perversion, tout est perverti. C'est, je vais vous dire une chose, tout est hybride. En venant, j'ai vu un grand panneau réclame. Ça disait « maïs hybride ». Voyons, ça ne vaut rien, non. Ça devrait vous faire réagir, ça, vous les athées. When God said, let every seed bring forth of its kind, and you can hybrid corn and make it a better looking corn, but you can't plant that back again and get no life in it. Alors que Dieu a dit que chaque semence produise selon son espèce, et on peut hybrider le maïs et produire un maïs plus beau, mais on ne peut pas planter celui-là à son tour. Il n'y a pas de vie dedans. And that's why we've done the church. We've made it pretty and decorated with denominational tinsel, but it ain't got no life in it. It can't produce that vital evidence again. Can't produce the evidence of the resurrection of Christ. It's a hybrid affair. Et c'est ce que nous avons fait à l'Église. Nous l'avons enjolivé et décoré avec le clinquant dénominationnel. Mais il n'y a pas de vie dedans. Elle ne peut plus produire la preuve qu'on trouve dans la Bible. Voyez, elle ne peut pas produire la preuve de la résurrection de Christ. Cette chose-là est hybride. Better dressed people, better paid, bigger denominations, richer of the lady of seeing age, exactly. Rich, have need of nothing. Know not that you're miserable, wretched, blind and poor, naked and don't know it. Amen. Des gens mieux habillés, mieux payés, de plus grandes dénominations, plus riches. Ils sont de l'âge de Laodicée, tout à fait. Riche, tu n'as besoin de rien. Tu ne sais pas que tu es misérable, malheureux, aveugle et pauvre, nu, et tu ne le sais pas. If a man knowed he was naked, you could talk to him, but if he don't know it, that's a miserable shame. Pitiful. Don't scorn the people, but have mercy. Si un homme savait qu'il est nu, on pourrait lui en parler. Mais quand il ne le sait pas, ça, c'est un état lamentable, c'est pitoyable. Ne méprisez pas les gens, au contraire, ayez pitié d'eux. What if that was you in that condition? What if the word wasn't revealed to you? What would you do? What else would matter? If your eyes were so blind you couldn't see it. That's a miserable sight. Et si c'était vous qui étiez dans cet état, et si la parole ne vous avait pas été révélée à vous, qu'est-ce que vous feriez? À quoi d'autre pourriez-vous attacher de l'importance si vos yeux étaient tellement aveugles que vous ne pouviez pas voir ce qu'il en est? Quel spectacle lamentable! And just exactly positionally, you can't lay a finger on it, there it sets. Just what he said would take place. These signs would be in the last days. See where they're setting just exactly. Et la situation concorde en tout point. C'est incontestable. Tout est en place, exactement ce qu'il avait dit qu'il arriverait, que ces signes seraient là dans les derniers jours. Vous voyez où ils sont, bien en place. A watch, high breeding. You know, if anything, you take like you take a donkey and breed it to a horse, a mare, rather. And you, what do you get? You get a mule. But that mule cannot breed back again. Maintenant, regardez bien l'hybridation. Vous savez, s'il y a quelque chose que je... Prenez par exemple, prenez un âne et croisez-le avec un cheval, avec une jument plutôt. Et qu'est-ce que vous avez? Vous avez un mulet. Mais ce mulet ne peut pas se reproduire à son tour. See, God said let every seed bring forth its kind. Now where's your evolution coming from? Your own project has condemned what you said you believe. God said, let every seed bring forth of its kind. He can't breed back again. No, no, he's finished. Voyez, Dieu a dit que chaque semence produise selon son espèce. Alors, l'évolution, où avez-vous pris ça?
ce que vous avez vous-même entrepris a condamné ce que vous aviez déclaré croire. Dieu a dit que chaque semence produit selon son espèce. Il ne peut pas se reproduire à son tour. Non, non. Pour lui, c'est fini. I think a mule is one of the ignorantest things I ever seen. You can't teach him nothing. He'll sit there with them big long ears, you know, and he'll wait till the very dying minute to kick you before he dies. You can't teach him nothing. Moi, je trouve que le mulet, c'est l'une des choses les plus ignorantes que j'ai jamais vues. On ne peut rien lui apprendre. Il va rester là, avec ses longues oreilles, vous savez, et attendre jusqu'à la toute dernière minute de sa vie pour vous donner une ruade avant de mourir. Vraiment, on ne peut rien lui apprendre. It reminds me, you sit there and you go telling things, it reminds me some people claim to be believers today. Big long ears sit there and the days of miracles is past. You don't know where he come from. You don't know nothing about it. Only thing he knows is some church creed. Amen. Ça me rappelle, il va rester là, et lorsqu'on lui dit des choses, ça me rappelle certaines personnes qui prétendent être des croyants aujourd'hui. Avec leurs longues oreilles, ils restent là et les jours des miracles sont passés. Il ne sait pas d'où il vient. Il ne connaît rien de tout cela. Tout ce qu'il connaît, c'est le credo d'une église. Well, let me tell you, I've got respect for a thoroughbred. Boy, he can tell you his pedigree. He can tell you who his papa was, who his mama was, who his grandmama, grandpapa was. His pedigree. Mais je vais vous dire une chose. J'ai du respect pour le pur sang. Ah, mes amis, lui, il peut vous décliner son pédigré. Il peut vous dire qui était son papa, qui était sa maman, qui était sa grand-maman, son grand-papa. Il a un pédigré. So he's a pedigree Christian. Can run it right straight back to the book of Acts and see where they come from. A pedigree Christian. Amen. Born with the same spirit, the same thing, acting the same way with the same persecutors, donkeys and horses feeding together. Yes. That's right. There you are, you got to have it, oh, this is a hybrid day. C'est comme ça que sont les chrétiens de lignée pure. Ils peuvent établir leur origine, remonter jusqu'au livre des actes et voir d'où ils viennent. Un chrétien de lignée pure, né du même esprit, même chose, il agit de la même manière. Avec les mêmes persécuteurs, les ânes et les chevaux se nourrissent ensemble. C'est vrai, voilà. Mais c'est inévitable, c'est un jour hybride. I seen a piece of Reader's Digest not long ago. Keep feeding women this hybrid meat and stuff. They can't have their babies. They're changing. They're getting bigger in the shoulders, narrow in the hips. Well, you know, man always destroys himself by civilization. J'ai vu un article dans le Reader's Digest il n'y a pas longtemps. Si on continue à nourrir les femmes de viande hybride et de choses hybrides, elles ne pourront plus avoir de bébés. Elles se transforment. Leurs épaules s'élargissent. Et leurs hanches s'amincissent. Voyons, c'est, vous le savez, depuis toujours l'homme se détruit lui-même par la civilisation. Come back to God, believe God. Come back to the original seed, come back and believe it. You've read my tape, you got my tapes, brother, I guess heard them, on the original seed and the bride tree and those things, which is true. Lord knows that. Revenez à Dieu, croyez Dieu, revenez à la semence originelle. Revenez y croire. Vous avez lu mes bandes, vous avez reçu mes bandes plutôt. Je pense que vous les avez écoutées sur la semence originelle et l'arbre épouse et ces choses qui sont vraies. Le Seigneur le sait. How those things is foretold months and months. You people, what you see here, just minor that you see taking place. Ask the people that's along. Ask if one time it ever failed. Tells about people, earthquakes, things that's going to happen. The Holy Spirit tells us. Is that right? This man has been sure. Et ces choses ont été annoncées des mois et des mois d'avance. Vous, ce que vous voyez ici, ce sont seulement de petites choses, ce que vous voyez se produire. Demandez à ceux qui m'accompagnent, demandez-leur si une seule fois cela a déjà failli. Ils parlent de certaines personnes, de tremblements de terre, de choses qui vont arriver. Le Saint-Esprit nous annonce cela, pas vrai? Il y a des hommes qui ont été, bien sûr, and of different people, like Marilyn Monroe, way before she was died, they said that she committed suicide. She did not do it. She died with a heart attack. Absolutely. Et à propos de différentes personnes, par exemple Marilyn Monroe, bien avant qu'elle meure, ils ont déclaré qu'elle s'était suicidée. Elle ne l'a pas fait.
Elle est morte d'une crise cardiaque. Absolument. This man, this fighter, the Maginot Line in Germany, all those things, just thousands of things, perfectly on the dot every time. It can't be nothing else but the Holy Spirit. He promised it. Cet homme, ce combattant, la ligne Maginot en Allemagne, toutes ces choses, des milliers de choses qui sont arrivées telles quelles, de façon parfaite, chaque fois, ça ne peut être que le Saint-Esprit. Voyez, voyez, il l'a promis. He gives seven things in 1933 would happen, and now every one of them has come to pass for two things. Amen. Perfectly, just exactly how it even Amen. President Kennedy will be taken in. Right here on my books right now. Amen. Told 33 years ago. Amen. Exactly. En 1933, il a annoncé sept choses qui allaient arriver, et elles se sont maintenant toutes accomplies, sauf deux choses, de façon parfaite, exactement telle quelle. Même le président Kennedy, de quelle manière il se ferait élire, s'est inscrit dans mes carnets, maintenant même, annoncé il y a 33 ans exactement. How that the Maginot Line would be built 11 years before it built, how that Hitler would rise up and fascism and Nazism and all divine and communism would destroy Catholicism. It will. Yes. No matter what they do. Et que la ligne Maginot serait construite 11 ans avant sa construction, et que Hitler s'élèverait, et le fascisme, et le nazisme, que tout cela finirait dans le communisme, et que le communisme détruirait le catholicisme. Et il le fera, oui, quoi qu'il puisse faire. And Schultz said there'd be an ecumenical council and how that all the churches would come together and would form the image called the mark of the beast. Amen. You see him right on the road right now. Amen. Exactly right. That's right. It's got to happen. Never failed to be. Il a montré, a dit qu'il y aurait un conseil œcuménique et que toutes les églises se réuniraient et formeraient l'image appelée la marque de la bête. Vous voyez qu'ils sont en voie de le faire, maintenant même. Tout à fait exact. Ça ne peut pas faire autrement qu'arriver. En effet, ça n'a jamais manqué. Anybody that ever knows it, anybody take them around the world, it's never failed one time. Amen. Months and years ahead of time, it's just perfectly right on the spot. Yes. It's God among you people. Amen. God in us. The Holy Spirit. N'importe quelle personne qui a déjà eu connaissance de ces choses, prenez n'importe qui, partout dans le monde, ça n'a jamais failli, pas une seule fois. Des mois et des années d'avance, et c'est parfaitement en plein dans le mille. C'est Dieu parmi vous, les amis. Dieu en nous, le Saint-Esprit. Notice, Jesus said that the royal seed would be identified by the same thing. Here in Luke, the 17th chapter. Oh, return, O dispersed, from your denominations to your own. Remarquez, Jésus a dit que la postérité royale s'identifierait par la même chose, ici, dans Luc, au chapitre 17. « Oh, revenez, oh, dispersez, quittez vos dénominations, revenez vers les vôtres. » Any of us can believe in God. If you believe in God, you know God heals the sick. Amen. That's no question. Well, if you don't believe that, you know, they said in them days, oh, we know he can heal, but he can't save. Now he can save, but he can't heal. Yeah. See, just the same devil. Yeah. Same thing. He's both Savior and healer. Amen. He's Jehovah Jireh and Jehovah Rapha. N'importe lequel d'entre nous peut croire que Dieu, si vous croyez en Dieu, vous savez que Dieu guérit les malades. Ça, c'est indéniable. Voyons, si vous ne croyez pas ça, vous savez, à cette époque-là, il disait, « Jéhovah, nous savons qu'il peut guérir, mais il ne peut pas sauver. » Maintenant, il peut sauver, mais il ne peut pas guérir. Voyez, exactement le même démon, la même chose. Il est à la fois sauveur et guérisseur. Il est Jéhovah Jireh et Jéhovah Rapha. Oh, return. Remember, he promised this position of everything setting just the way it is now. And what would take place, he said it would happen, and it's got to happen. Oh, revenez. Souvenez-vous, il a promis que ce serait la situation, que tout serait exactement comme c'est maintenant, et ce qui allait se produire. Il a dit que c'est ce qui arriverait, et ça ne peut pas faire autrement qu'arriver. Folks, I'm sorry, I've kept you late now. Just bow our heads just a minute. I'll finish this up maybe tomorrow night. I've got about six more pages of notes here. Bow your heads just a moment. Be reverent, everybody. Mes amis, je suis désolé.
je vous ai retenu longtemps là. Inclinons la tête un instant. Je finirai ça peut-être demain soir. Il me reste encore environ 6 pages de notes ici. Inclinez la tête un instant. Soyez respectueux, tout le monde. You might disagree with me. You have a right to that. I've got a right to express what I think. I have the scripture. Now, no matter what I would say, if God doesn't back that up, then the Urim and Thummim isn't working. Then it's refused. Il se peut que vous ne soyez pas d'accord avec moi. C'est votre droit. J'ai le droit d'exprimer ce que je pense. Je me suis servi de l'Écriture. Maintenant, quoi que moi je puisse dire, si Dieu ne le confirme pas, dans ce cas, l'Urim Thummim n'est pas en action. Alors, c'est refusé. No matter how good it sounds, how real it sounds, the Urim and Thummim has to show it. The seed has to come to life. If it doesn't, then it wasn't so. Peu importe combien ça peut sembler bon et combien ça peut sembler vrai, l'Urim Thummim doit le démontrer. La semence doit prendre vie. Sinon, alors ce n'était pas vrai. Now, for healing, I've tried to tell you I'm not a healer. There's many men that call themselves healers. And there's a lot of critics that call men healers that just to criticize. Their heart's not right with God. Maintenant, pour ce qui est de la guérison, j'ai essayé de vous expliquer que je ne suis pas un guérisseur. Il y a beaucoup d'hommes qui se disent guérisseurs. Et il y a aussi beaucoup de critiqueurs qui appellent des hommes des guérisseurs, et ça juste pour critiquer. Leur cœur n'est pas droit devant Dieu, voyez? Anyone knows that no man can heal another. God heals the sickness. Amen. Let God call for your death and pray all you want to in the hospital, give you an injection of fluid every day and you'll die just the same. Tout le monde sait qu'aucun homme ne peut guérir son semblable. C'est Dieu qui guérit la maladie. Que Dieu ordonne votre mort, vous aurez beau prier tant que vous voudrez. L'hôpital aura beau vous faire une injection de liquide tous les jours. Vous mourrez quand même. If I cut my hand tonight and stand here with a cut hand, there isn't a medicine in the world can heal my hand. We ain't got a medicine that heals. No medicine heals. Any doctor will tell you that. It just keeps clean while God heals. It can't build tissue. Si je me coupais à la main ce soir et que je me tenais là, une coupure à la main, il n'y a aucun médicament au monde qui puisse guérir ma main. Nous n'avons aucun médicament qui guérit. Aucun médicament ne guérit. N'importe quel médecin vous dira ça. Le médicament ne fait que garder la blessure propre pendant que Dieu guérit. Le médicament ne peut pas refaire les tissus. If I cut my hand and oh you say yes brother Brand there's medicine to heal that or I don't know what it is. Let me show you. Si je me coupais à la main et oh direz-vous oui frère Branham il y a un médicament qui peut guérir ça. Bon, je voudrais bien savoir ce que c'est. Je vais vous montrer. If I cut my hand and fell down dead here, a doctor could come in and bomb my body, make me look natural for 50 years, sew up my hand and take me out there and give me a shot of penicillin. Every day, and 50 years from now, that cut would be just like it was when it was made. Si je me coupais à la main et que je tomberais de mort ici, un médecin pourrait venir embaumer mon corps, me donner une apparence naturelle qui durerait 50 ans, recoudre ma main, me transporter là-bas et me faire une piqûre de pénicilline tous les jours. Et dans 50 ans, cette coupure serait identique à ce qu'elle était lorsqu'elle a été faite. If medicine is made to heal a cut, why don't it heal it? Any medicine to heal a cut in my hand, it'll heal a cut on this desk. Would heal a cut in my coat. If it'll heal a cut, it'll heal a cut, no matter where it's at. Si les médicaments ont été faits pour guérir une coupure, pourquoi ne la guérissent-ils pas? Tout médicament qui peut guérir une coupure à ma main peut guérir une coupure sur cette chair, pourrait guérir une coupure dans mon veston. S'il peut guérir une coupure, il peut guérir une coupure où qu'elle soit. Well, you say, well, medicine is made for human beings, then why don't it heal? Well, you say the life's going out of you, then there's something else besides the medicine heals. It's life. Sure. And life is God. Amen. Certainly it is. Eh bien, direz-vous, voyons, les médicaments ont été faits pour les êtres humains. Alors, pourquoi est-ce qu'ils n'opèrent pas la guérison? Eh bien, direz-vous, la vie vous a quitté. Il y a donc autre chose que le médicament qui opère la guérison. C'est la vie, bien sûr. Et la vie, c'est Dieu, certainement. Yet some of us sinners are perverted with it, but yet you're in the image of God. And the life that you have, God gave it to you. You know that. Amen.
No, because God is a healer. Life is a healer. You believe that. See? Seen so much down. Malgré que certains soient pécheurs, qu'ils soient pervertis tout en ayant la vie, mais vous êtes quand même à l'image de Dieu. Et la vie que vous avez, c'est Dieu qui vous l'a donnée. Vous savez ça. Non, c'est parce que Dieu est le guérisseur. La vie est le guérisseur. Croyez-le, voyez. J'ai vu tant de choses s'accomplir. Now it's accepting, won't you? Amen. Before we do that, I wonder how many in here is convinced. Before, if you're a newcomer here, never been in here before, that you believe him to be the Son of God. Maintenant, acceptons-le, d'accord? Avant de le faire, je me demande combien de personnes ici sont convaincues. Avant, si vous êtes des nouveaux venus, si vous n'avez jamais été ici auparavant, alors croyez-vous qu'il est le Fils de Dieu? And by this the message tonight, the word alone, before he even does anything, that you believe it, you want me to remember you in prayer, raise up your hand, will you? God bless you, oh my. 300-400 hands. God bless you. Faith cometh by hearing, hearing of the word. Et si, grâce à ceci, au message de ce soir, à la parole seulement, avant même qu'il fasse quoi que ce soit, vous y croyez, et que vous voudriez que j'aie une pensée pour vous dans la prière, levez la main. Voulez-vous le faire? Oh, que Dieu vous bénisse. Oh là là, 300 ou 400 mains, que Dieu vous bénisse. La foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend la parole. The reason I said that is see to find favor with God. I think now instead of just calling a prayer line up here, I'll just have you to pray. La raison pour laquelle j'ai dit cela, la postérité trouvera grâce devant Dieu. Maintenant, je pense qu'au lieu de faire venir une ligne de prière ici, je vais juste vous demander de prier. Let me give you a scripture first. With what we do, it must be scriptural. It's got to be scriptural. God won't honor nothing else. God won't honor a lie. You know that. Right. You couldn't attach that to him. He don't honor lies. He only honors his word. But he promised that my word will not return to me void. It'll accomplish that which was its purpose for. D'abord, je vais vous donner un passage de l'Écriture. Ce que nous faisons là doit être conforme à l'Écriture. Il faut que ce soit conforme à l'Écriture. Dieu n'honorera rien d'autre. Dieu n'honorera pas un mensonge, ça vous le savez. Vous ne pourriez pas lui attribuer cela. Il n'honore pas les mensonges. Il honore uniquement sa parole. Mais il a promis que « ma parole ne retournera point à moi sans effet. Elle accomplira ses desseins. » And we see the word is lauded today. No matter how much unbelief rises in the camp, God will honor his word. When he find faith to honor it by. Et nous voyons la parole qui a été donnée pour aujourd'hui. Peu importe la quantité d'incrédulité qui peut s'élever dans le camp, Dieu honorera sa parole lorsqu'il trouvera la foi qui est nécessaire pour qu'il l'honore. Now, somewhere in the building, I want you to take this scripture, Hebrews, the third chapter, I believe it is. The Bible said that he's a high priest right now that can be touched by the feeling of our infirmities. Maintenant, vous, quelque part dans le bâtiment, je veux que vous teniez compte de cette écriture-ci. C'est Hébreux, chapitre 3, je crois. La Bible dit qu'il est un souverain sacrificateur, maintenant même, qui peut compatir à nos faiblesses. And you that raise your hand, I want you, as soon as the service is getting to the closure, I want you to come up and stand around here and be prayed for. Accept Christ as your Savior. Et vous qui avez levé la main, je veux, aussitôt que le service se tirera à sa fin, ici, je veux que vous vous avanciez et que vous vous placiez autour, ici, et qu'on prie pour vous. Acceptez Christ comme votre sauveur. Take your way to one of some fine church around here. No matter where it's at, somebody preaches the gospel. Go to them and ask for Christian baptism. And the pastor will take you from there on. He's God's man. He's called to be God's man. He'll take you from there on. Allez à une bonne église qu'il y a par ici, ou qu'elle se trouve là où quelqu'un prêche l'évangile. Allez vers ces gens et demandez le baptême chrétien. Et le pasteur s'occupera de vous pour le reste du chemin. Il est l'homme de Dieu. Il a été appelé à être l'homme de Dieu. Il s'occupera de vous pour le reste du chemin. Just if I was here in this city, I'd
belong to some of these churches here, I'd come to them, them that believe the gospel, I'd be there. Certainly, I'd identify myself with them. Or that's what you need to do. That's what you need to do. Vraiment, si j'étais d'ici, de cette ville, je ferais partie de certaines églises d'ici. J'irais à ces églises, à celles qui croient à l'Évangile. Je serais présent là-bas. Bien sûr, je m'identifierais avec elles, car c'est ce qu'il vous faut faire, et c'est ce qu'il vous faut faire. Now, if he's a high priest, that can be touched by the feeling of our infirmities. Now, he's the same yesterday, today, and forever. Therefore, he'd have to act as same as he did yesterday. Maintenant, s'il est un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses, donc, comme il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, alors il faudra nécessairement qu'il agisse de la même manière qu'il a fait hier. I want you. A little woman touched his garment one time, and he turned around and knew what she had and told her her faith had saved her, and she felt within herself. She never took any pains to prove it. She didn't have to prove it. Maintenant, regardez bien. Une fois, une petite femme a touché son vêtement. Il s'est retourné et il a su ce qu'elle avait. Il lui a dit que sa foi l'avait sauvée. Et elle a senti en elle-même. Elle ne s'est pas efforcée de le prouver. Elle n'avait pas besoin de le prouver. You don't prove things, you believe God. You don't prove God at all. You can't prove save your life there's a God. Just go out here and say, let me see him. See? You got to believe him. On ne prouve pas ces choses. On croit Dieu, voyez. On ne prouve pas Dieu, pas du tout. Vous ne pouvez pas prouver, même si votre vie en dépendait, que Dieu existe. Juste aller quelque part et dire, montrez-le-moi. Voyez, vous devez croire en lui. The whole armor of God is supernatural. Love, joy, faith, long-suffering, patience, meekness. See, all supernatural. We look at things that you can't see with your natural eye. Toutes les armes de Dieu sont surnaturelles. L'amour, la joie, la foi, la longanimité, la patience, la douceur. Voyez, tout cela est surnaturel. Nous regardons des choses qu'on ne peut pas voir avec l'œil naturel. And Christ is here tonight. He promised that wherever two or three are gathered in my name, there I am in the midst of them. There I am, I again. He's here. Now he's the same yesterday, today and forever. Et Christ est ici ce soir. Il l'a promis. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je suis là. Le « je » de nouveau, il est ici. Maintenant, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. You pray and say, Lord Jesus, I am sick or whatever you have need of. I am needy and I want you, dear God, to have mercy upon me and heal me and make me well. Priez et dites, Seigneur Jésus, je suis malade. Ou quel que soit votre besoin, j'ai un besoin et je voudrais, Dieu bien-aimé, que tu sois miséricordieux envers moi et que tu me guérisses, que tu me rétablisses. And now, if I have faith enough, Lord, to touch you, I know that Brother Branham don't know me. I'm a stranger. And I know he doesn't know me. Et maintenant, si j'ai assez de foi, Seigneur, pour te toucher, je sais que Frère Branham ne me connaît pas. Je suis un inconnu. Et je sais qu'il ne me connaît pas. Now, if that man has told me the truth, which I believe it is, because it comes right from your word, I've read it, I see it looks just perfectly right, now confirm it. Maintenant, si cet homme m'a dit la vérité, et je crois que c'est le cas, parce que cela vient directement de ta parole, je l'ai lu, je vois que cela semble être parfaitement juste. Maintenant, confirme-le. I claim to be a seed of Abraham through Christ. I claim to be the royal seed, believing on Jesus Christ, the royal seed. J'affirme être de la postérité d'Abraham par Christ. J'affirme être de la postérité royale en croyant en Jésus-Christ, la postérité royale. I believe to be part of his bride, his church that he's coming for, and I'm sick and needy. Please, Lord Jesus, let me touch your garment and confirm it to me by speaking through Brother Branham as he promised it would be like it was in the days of Sodom. Et je crois que je fais partie de son épouse, de son église qu'il vient chercher. Je suis malade et j'ai un besoin. S'il te plaît, Seigneur Jésus, fais que je touche ton vêtement et confirme-le-moi en parlant à travers Frère Branham, puisqu'il a promis que ce qui arriva au jour de Sodome arriverait de même maintenant. Just
let him tell me what I'm thinking about praying for, what I want, what my needs are. Something about me. You do that. Just do it. Fais que je, qu'il me dise ce qui est dans ma pensée, ce pourquoi je prie, ce que je désire, quels sont mes besoins, quelque chose à mon sujet. Faites cela. Allez, faites-le. Heavenly Father, now it's all in your hands. Now this is all I can do, or any other man can just say what you said here, the truth. Now confirm it, Lord, to be the truth. I've spoken of you, speak that I've told the truth. In the name of Jesus Christ. Amen. Père Céleste, maintenant tout est entre tes mains. Or c'est tout ce que je peux faire, moi ou n'importe quel autre homme. On ne peut dire que ce que tu as dit ici, la vérité. Maintenant confirme, Seigneur, que c'est bien la vérité. J'ai parlé de toi. Parle, montre que j'ai dit la vérité. Au nom de Jésus-Christ, amen. Now, won't you just to believe? Just have faith. I don't know one, move around. He's set real reverend. Je veux que vous croyiez simplement, simplement, que vous ayez simplement la foi. Maintenant, que personne ne se déplace. Restez assis. Soyez très respectueux. I want you to imagine standing before you, in here somewhere, Christ, raised up from the dead, come right through the walls one time, eat bread, said, heal me, I'm flesh and bones, and disappeared right before them. Je veux que vous vous imaginiez que devant vous, ici quelque part, il y a Christ, ressuscité des morts. Une fois, il a passé à travers les murs, il a mangé du pain. Il a dit, « Touchez-moi, je suis en chair et en os. » Et il a disparu de devant eux. Now he promised that he would appear in the last days in the form of human flesh again in your flesh, like he did in the days of Sodom. Maintenant, il a promis qu'il apparaîtrait dans les derniers jours de nouveau sous la forme de la chair humaine, dans votre chair à vous, comme il l'avait fait au jour de Sodome. God, which was Christ, manifested in flesh. Now in his church, his bride. See, they're coming together. It's a uniting time. Churches are uniting. Nations are uniting. And the bride and Christ is uniting. It's a uniting time. Dieu, qui était Christ, manifesté en chair, maintenant dans son Église, son épouse. Voyez, ils sont en train de se réunir. C'est un temps d'union. Les Églises s'unissent, les nations s'unissent, et l'épouse et Christ s'unissent. Voyez, c'est le temps de l'union. I just believe. Simple. Don't try to get nervous and press something because you don't get nothing. Just humbly say, Lord, I believe. Someone just do that. Maintenant, vous n'avez qu'à croire, simplement. N'essayez pas de forcer quelque chose en vous énervant, parce qu'on n'obtient rien comme ça. Vous n'avez qu'à dire humblement, « Seigneur, je crois. » Faites cela, quelqu'un. And now how many is standing before me, especially now, I know these men here and these here, I know some sitting here. How about right here, just right in front of me? Let consecrate one little group right in here somewhere. Et maintenant, combien de ceux qui sont assis devant moi en particulier? Bon, ces hommes-ci et ceux-ci, je les connais. Je connais quelques-uns de ceux qui sont assis ici. Mais alors, juste ici, juste devant moi, consacrons-nous à ce petit groupe, quelque part par ici. How many never seen Christ make himself known like that? Let's see your hands. Never did see it. I guess everybody has seen it, all right? You pray now. Combien d'entre vous n'ont jamais vu Christ se faire connaître de cette manière par « Levez la main, je n'ai jamais vu cela. » Je pense que tout le monde l'a déjà vu. Très bien. Maintenant, priez. Just be reverent. I don't know that he will. I can't say that. It's up to him. Will it make you believe? Real strong? The Lord hears that. He knows all things. À présent, soyez respectueux.
Je ne sais pas s'il le fera. Je ne peux pas l'affirmer. C'est à lui de décider. Est-ce que ça vous amènerait à croire vraiment fort? Le Seigneur entend cela. Il sait toute chose. The man sitting right there, suffering with a hernia. You believe that God will heal that hernia? You do? We're strangers to one another, I suppose, you and I. I don't know you. I've never seen you. But that's what you was praying about. Raise up your hand, if that's right. Raise up. Dispense it. L'homme, assis juste là, il souffre d'une hernie. Vous croyez que Dieu guérira cette hernie? Vous le croyez? Nous sommes des inconnus l'un pour l'autre, je suppose, vous et moi. Je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vu. Mais si c'est bien ce pourquoi vous étiez en train de prier, levez la main. Si c'est exact, levez la main. Cet homme qui est assis... You believe it? You believe that when Andrew had told Simon to come see that they'd found the Messiah, and when you come up in the presence of the Lord Jesus, being that you're in contact with something now, your prayer. Croyez-vous que après qu'André a dit à Simon de venir voir, car ils avaient trouvé le Messie, et ensuite, quand il est entré dans la présence du Seigneur Jésus, puisque vous êtes en contact avec quelque chose en ce moment, votre prière. He told him who he was. You believe God could tell me who you are? If you believe it, you can do it. Amen. Would that encourage you to believe with all your heart? Would do the rest of you that way? Voyez, il lui a dit qui il était. Croyez-vous que Dieu peut me dire qui vous êtes? Si vous le croyez, il peut le faire. Est-ce que ça vous inciterait à croire de tout votre cœur? Et tous les autres aussi? Now the man's put his hands up, and whatever was told him, I don't know, I'll have to run the tape. See? Whatever it was right. Is that right, sir? All right. Whatever is right. Or, cet homme a levé les mains pour indiquer que ce qui lui a été dit, moi, je ne sais pas, je devrais repasser la bande, voyez. Quoi que ce soit, c'était vrai. C'est bien ça, monsieur? Très bien. Quoi que ce soit, c'était vrai. Mr. Shepherd? Believe with all your heart. Hallelujah. Hallelujah. Amen. I can't believe. Monsieur Shepherd, croyez de tout votre cœur. Si tu peux croire. I saw more than what he said. Your name is Simon, son of Jonas. Now, if you just believe, that's all that's necessary. Now, what is it? He promised that. He gave that promise. That shows that he's here, not just me, he's in you. Amen. He's in his body of believers. Or ça, c'est ni plus ni moins que ce qu'il avait dit là. Ton nom est Simon, fils de Jonas. Maintenant, vous n'avez qu'à croire. C'est tout ce qui est nécessaire. Voyez. Or, qu'est-ce que c'est? Il l'a promis. Il a donné cette promesse. C'est ce qui montre qu'il est ici. Ce n'est pas seulement moi, il est en vous. Il est dans son corps de croyant. Little lady, weeping and praying with your head down, suffering with a cancer. If you won't fear and will believe, God will make you well, if you can believe it. Madame, vous qui pleurez et qui priez, la tête baissée, vous souffrez d'un cancer. Si vous ne craignez pas et que vous croyez, Dieu vous rétablira, si vous pouvez le croire. She's going to miss it. Sure. Mrs. Hood, believe with all your heart now that Jesus Christ make you well. And you can have what you've asked for. Now you go believe it with all your heart? Hallelujah. Amen. Elle va rater ça, c'est sûr. Madame Hood, croyez maintenant de tout votre cœur que Jésus-Christ vous rétablit. Et ce que vous avez demandé vous sera accordé. Maintenant, allez-vous le croire de tout votre cœur? Amen. Sitting right next to you there is a lady's got stomach trouble, heart trouble, complications. If you believe with all your heart, you can have your healing. You believe it with all your heart and accept it? You do? All right. Assise juste à côté de vous, là, il y a une dame qui a des problèmes d'estomac, des problèmes cardiaques, des complications. Si vous croyez de tout votre cœur, votre guérison vous sera accordée.
Vous le croyez de tout votre cœur. Vous allez l'accepter. Oui, très bien. That man with hemorrhoids, you believe that God can heal those hemorrhoids and make you well? Raise up. Cet homme qui a des hémorroïdes, là, croyez-vous que Dieu peut guérir ses hémorroïdes et vous rétablir? Levez-vous. What do you think about saying next to him with a hernia? You believe that God can heal a hernia and make you well? Hallelujah! Hallelujah! Qu'est-ce que vous pensez de cela, assis à côté de lui, là, vous qui avez une hernie? Croyez-vous que Dieu peut guérir cette hernie et vous rétablir? A lady right next to your arm, they're suffering with headache. It's gone now, hasn't it? Your faith did it. That's all you have to do, just believe. La dame qui est juste là, contre votre bras, souffre de maux de tête. C'est parti, là, n'est-ce pas? Voyez, c'est votre foi qui a agi. C'est tout ce que vous avez à faire. Seulement croire. There's a lady here with diabetes. You believe God will make you well, lady? Say you have diabetes. You believe God can tell me who you are? Amen. You do it? Miss Robinson? Serene. Hallelujah. Put your hand over on him there for that hernia. Maybe God will make him well too. If you believe it, will you do it? All right, sir. Voici une dame ici qui a le diabète. Croyez-vous que Dieu vous rétablira, madame? Vous qui êtes assise là, qui avez le diabète? Croyez-vous que Dieu peut me dire qui vous êtes? Vous le croyez? Madame Robinson, c'est votre nom. Posez votre main sur lui, là, pour cette hernie. Peut-être que Dieu le rétablira, lui aussi. Si vous le croyez, allez-vous le faire? Très bien, monsieur. The lady said next to you, lay your hand on her, sir, she's got neuritis. Do you believe that God will heal the neuritis and make you well? You do, you can have your healing too. You got to believe it. La dame, assise à côté de vous, posez votre main sur elle, monsieur. Elle est atteinte de névrite. Croyez-vous que Dieu guérira cette névrite et vous rétablira? Si oui, votre guérison vous sera accordée, à vous aussi. Vous devez le croire. Now, that's confirmation. God made the promise. Now, how many believes that Christ is here? Amen. You believe it? Hallelujah. Now, all of you that want in His presence now, that wants mercy from Him, that wants mercy on your soul, and you want to accept Him now while you're right in His presence, identify. Maintenant, c'est une confirmation. Dieu a fait cette promesse. À présent, combien croient que Christ est ici? Vous le croyez? Maintenant, tous ceux d'entre vous qui veulent, dans sa présence maintenant, vous voulez obtenir sa miséricorde. Vous voulez obtenir miséricorde pour votre âme. Et vous voulez l'accepter, lui, pendant que vous êtes là, dans sa présence identifiée. Now, a man might come in here with nail scars in his hands and thorn prints and say, I am the Lord. Any old hypocrite can do that. Maintenant, un homme pourrait se présenter ici, avec des marques de clous dans ses mains et avec des marques d'épines et dire « Je suis le Seigneur ». N'importe quel hypocrite peut faire ça. But the life, the Lord Jesus' body is sitting at the right hand of the Majesty. When He comes, time's no more. When that body returns to the earth. But His spirit, here, His life is given evidence of Him being here. See? I'll be with you, even in you, to the end of the world. Mais la vie... Le corps du Seigneur Jésus est assis à la droite de la majesté divine. Lorsque lui, il viendra, il n'y aura plus de temps. Lorsque ce corps-là reviendra sur la terre. Mais son esprit est ici. Sa vie produit des signes concrets de sa présence. Voyez, je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. And you want mercy from me now. Would you just stand for a word of prayer? All over the building, you that, wherever you are, would you just stand? God bless you, way back in there. That's right. Just keep stand on your feet. That's all I want you to do. Just stand up a minute for prayer. Alors vous, qui voulez obtenir sa miséricorde maintenant, voulez-vous juste vous lever pour que nous prononcions une prière? Partout dans le bâtiment, vous qui, où que vous soyez, voulez-vous vous lever? Que Dieu vous bénisse, là-bas, tout au fond. C'est ça. Continuez à vous lever. Levez-vous. C'est tout ce que je veux que vous fassiez. Levez-vous un instant pour la prière. If you'll stand for him, if you're ashamed of him now, he'll be ashamed of you before the Father. If you're willing to confess him now, he'll confess you before the Father.
si vous prenez position pour lui. Si vous avez honte de lui maintenant, il aura honte de vous devant le Père. Et si vous êtes prêt à le confesser maintenant, il vous confessera devant le Père. I now want to accept Christ as my Savior. I want him to fill me with his Spirit right now. I want him just remain standing just a moment for prayer, if you will. Stand up, that's right. I feel led to do this. This is an altar call. Stand up. We have no altar to come to. Your heart is the altar. Je veux maintenant accepter Christ comme mon Sauveur. Je veux qu'il me remplisse de son Esprit maintenant même. Je veux le recevoir. Restez simplement debout un instant pour la prière, s'il vous plaît. Levez-vous, c'est ça. Je me sens conduit à faire ceci, à faire un appel. Ceci est un appel à l'autel. Levez-vous. Nous n'avons pas d'autel vers lequel nous avancer. L'autel, c'est votre cœur. Just pull back all the unbelief and know that he's here now. Stand up on your feet. You who wants to accept Christ right now in the divine presence that you feel that's vindicated now. Now, let us bow our heads. Écartez donc toute l'incrédulité et reconnaissez qu'il est maintenant ici. Levez-vous, vous qui voulez accepter Christ maintenant même, dans cette présence divine que vous ressentez et qui a maintenant été confirmée. Maintenant, inclinons la tête. Lord Jesus, they are yours. You said no man can come to me except my Father draws him. And now, according to science, they could not even raise their hand. The law of gravitation says our hands must hang down. But there's a life in them. And that life was brought near to eternal life, Christ. Seigneur Jésus, ils sont à toi. Tu as dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Or, selon la science, il n'aurait même pas pu lever la main. La loi de la gravitation dit que nos mains doivent rester en bas. Mais il y a une vie en eux, et cette vie a été amenée tout près de la vie éternelle, de Christ. And they made a decision in their heart that they're through with the world. And they raised their hands and stood on their feet, defying the law of gravity. That there's a life and there's soul, do we defy the law of the world and unbelief? Et ils ont pris une décision dans leur cœur. Le monde, pour eux, c'est fini. Ils ont levé leurs mains et se sont levés, défiant la loi de la pesanteur. Car il y a une vie en eux. Et, de même, nous défions la loi du monde et de l'incrédulité. In the name of Jesus Christ, they're yours. They're love gifts of the gospel. They're memorials of the message tonight and your great presence with us. Au nom de Jésus-Christ, ils sont à toi. Ils sont des dons d'amour de l'Évangile. Ils sont des souvenirs mémorables du message ce soir et de là, de ta glorieuse présence avec nous. Put their names upon the Lamb's Book of Life there, Lord. We pray that each one of them will be there as your children, your beloved. Mets leur nom dans le livre de vie de l'agneau, là-bas, Seigneur. Nous prions que chacun d'eux, ils soient là-bas, tes enfants, tes bien-aimés. Fill them with the Holy Spirit of God into their hearts. May their lives be so charged with the power of Almighty God that humility and love and kindness and gentleness will flow from them and a zeal to see others saved that was once in their condition. Grant it, Lord. Remplis-les du Saint-Esprit de Dieu, qu'il entre dans leur cœur. Que leur vie soit remplie à bloc de la puissance du Dieu Tout-Puissant, si bien que de leur être couleront l'humilité, l'amour, la bonté, la douceur, de même que le zèle d'amener au salut d'autres personnes, car ils étaient autrefois dans le même état qu'elles. Accorde-le, Seigneur. Only thing that we can do, Lord, is to believe. And they stood as a memorial of their belief. And now, with my faith and their faith together, we lay it upon your altar by faith. La seule chose que nous puissions faire, Seigneur, c'est croire. Et ils se sont levés. C'est un geste mémorable, exprimant leur croyance. Et maintenant, avec ma foi et leur foi réunies, nous les plaçons sur ton autel, par la foi. And they are the sacrifice
that's laying there waiting for the sacrificed Son of God to accept them into His kingdom. Grant it, Lord. Just now, may they be yours in the name of Jesus Christ. Le sacrifice, c'est eux. Ils sont là, attendant que le Fils de Dieu, qui s'est sacrifié, les accepte dans son royaume. Accorde le Seigneur, qu'il soit maintenant même à toi, au nom de Jésus-Christ. Now you that believe on Him with all your heart that's standing, raise up your hand. Say, I believe Him, I accept Him right now as my Redeemer, and I seek the baptism of the Holy Spirit. Raise your hand. God bless you. Now, you may be seated. Maintenant, vous qui êtes debout et qui croyez en Lui de tout votre cœur, levez la main, dites, je crois en Lui. Je l'accepte maintenant même comme mon Rédempteur et je recherche le baptême du Saint-Esprit. Levez la main, que Dieu vous bénisse. Maintenant, vous pouvez vous asseoir. I want you to make your way to some church now, right away. Tomorrow night we're going to have a meeting for the baptism of the Holy Spirit. Tomorrow night, right here at the building. Et je veux que vous alliez à une église, là, sans tarder. Demain soir, nous allons faire une réunion pour le baptême du Saint-Esprit. Demain soir, ici même, dans ce bâtiment. Now, there's a lot of fanaticism they call the baptism of the Holy Ghost, but that don't mean that there isn't a real Holy Ghost. There's a real, genuine Holy Spirit of God, just the same. And I believe that He'll meet with us here tomorrow night. Or, il y a beaucoup de fanatisme auquel les gens donnent le nom de baptême du Saint-Esprit. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas de vrai Saint-Esprit. Il existe quand même un vrai, un authentique Saint-Esprit de Dieu. Et je crois qu'il viendra nous rencontrer ici demain soir. Now, how many in the building is convinced that we're at the end time? How many convinced that this is the truth, the Word is supposed to be this way in the last day? Raise your hand. Maintenant, combien de personnes dans ce bâtiment sont convaincues que nous sommes au temps de la fin? Combien de personnes sont convaincues que ceci est la vérité, que c'est bien la parole, telle qu'elle devait être en ces derniers jours? Levez la main. How many of you believers wave your hands? All right? Jesus said these words, these signs shall follow them that believe, if you're a believer. Combien d'entre vous sont des croyants? Faites signe de la main. Très bien. Jésus a dit ces paroles, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Si vous êtes croyant. Now how many is needy of Christ in your body? Raise up your hand. Are you believers just sitting next to them? Lay your hands on one another. Maintenant, combien d'entre vous ont dans leur corps besoin de Christ? Levez la main. Très bien. Vous les croyants qui êtes assis à côté d'eux, posez vos mains les uns sur les autres. And the way you pray in your church, that's the way you pray here. Don't you pray for yourself. You pray for them, they're praying for you. And the Bible said, they shall lay hands on the sick, they shall recover. Now you pray the way you do and with a promise. Et de la manière que vous priez dans votre église, c'est de cette manière-là qu'il faut prier ici. Ne priez pas pour vous-même. Priez pour eux. Eux, ils prient pour vous. Et la Bible dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Maintenant, priez à votre manière et avec une promesse. Lord Jesus, they are yours. Receive them into your kingdom and heal each one of them in these handkerchiefs. In the name of the Lord Jesus Christ, grant Lord, Satan has lost his hold. May the power of Almighty God heal everyone. Seigneur Jésus, ils sont à toi. Reçois-les dans ton royaume et guéris chacun, Seigneur, et ses mouchoirs. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, accorde-le, Seigneur. Satan a perdu son emprise. Que la puissance du Dieu Tout-Puissant guérisse chacun. The Sermon Jehovah Jireh, Part 2, by Brother William Marion Branham, was